Il y a du son, moi. Non. Bonsoir. Bonsoir à toi, Skin Teddy. Merci beaucoup pour ton follow, d'ailleurs, il y a un petit moment, hein, déjà, je crois. C'était quand? Ah, quelqu'un m'a suivi et a supprimé son compte. C'est marrant, tu vois. Oui, il y a 15 jours, tu m'as follow, Skin Teddy. Bienvenue à toi. Bienvenue pour ce stream CDI. Retour des streams à peu près classiques. N'hésitez pas, évidemment, tous ceux qui sont là, à me dire s'il y a des problèmes de son, bien sûr. Pour l'instant, ça va. J'ai l'impression. Ce soir, on joue à Thunder in Paradise. Vous voyez Hulk Hogan juste en bas et Hulk Hogan sur la grande affiche du stream aussi, bien sûr. Salut Fluyoshi, comment ça va? Les muscles de Hulk Hogan, oui, t'as vu aussi les titis de Hulk Hogan. Bonus. J'ai vu caché au cas où. Salut Arax. Game argent dans les yeux et la bouche. Elle est tout la dessert. Elle est tout la dessert. La dessert arrive. La dessert, elle est derrière moi. En ce moment même. Un jeu t'étonnant, exactement. Un jeu qui n'a pas fini de vous t'étonner. Pour être exact. Bah ça va être un setup plutôt cool aujourd'hui. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là au premier stream dans cet appartement, car oui, j'aime bien changer d'appartement, à peu près une fois par an, pour ceux qui me connaissent. En tout cas, celui-là, j'espère que c'est... Normalement, c'est le bon. Hein. Pour l'instant, c'est le bon. Et toi, Roarou, ça va super, écoute, Flo, Flo, Yo-Yo, Chichi. Ça va super. J'espère que ça va pour tout le monde. Ouais, j'ai quelques petites choses à dire, notamment bah, le fameux ban, hein, vous savez. J'ai appris ça tout à l'heure. J'avoue que j'étais pas là au moment où il s'est fait ban, mais apparemment... le grand Madeville s'est fait ban à cause de jeux en 16 couleurs. 16 couleurs et très peu d'habillage, manifestement. Un ban de Madeville, ouais. De ce que j'ai appris. On redémarre le jeu, histoire de revoir la vidéo d'intro. Je connaissais pas Karim Offshore et je savais pas que Madeville s'était fait ban. Madeville s'est fait ban, voilà. Bon, pour 7 jours, je sais pas s'il a recréé un compte et qu'il pourra venir nous voir aujourd'hui, ça serait classe. J'avoue que je serais assez fan de le voir popper, au moins pour qu'il voit mes premiers pas, quoi. Et voilà. Ouais. Après, Twitch, ça devient de plus en plus sévère, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai cru comprendre, ça devient un peu sévère. Terry Hulk Hogan, incroyable. C'est incroyable. Une musique de Burn Cycle que vous entendez là, d'ailleurs. Un jeu que je vais faire sans doute très prochainement. Merci beaucoup du coup Erax pour ton pour tes 21 mois, c'est vraiment trop gentil. La desserte, j'ai mis la journée à la préparer, j'ai mis toute la journée d'hier à la mettre au point, et toute la journée à la rendre faisable et faite du coup. J'attends juste une rallonge pour que ça soit un peu plus propre, et qu'il n'y ait pas des câbles qui traînent partout, et après bah, elle sera 100% mobile, et c'est plutôt cool. Ça me permet d'avoir, vous allez voir, un CRT mobile dans mon appartement. C'est plutôt classe, et sous ce CRT, un lecteur de Laserdisc, notamment. Aujourd'hui, j'ai réussi à vous dégoter une option meilleure, puisqu'on teste des jeux en composite, donc c'est un peu compliqué comme installation, mais je vous résume ça vite fait pendant le décompte du stream. Mais j'ai réussi à alimenter le Mister FPGA. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose sur le CRT, en plus d'alimenter le Retroscaler 2X. Retroscaler 2X, il me permet de faire des streams en composite. Aujourd'hui, en composite, je vous donne le CDI. Le mien n'est qu'en composite, il n'existe pas de version RGB du CDI 450, à part en mettant un mode onéreux à l'intérieur. Vous connaissez ma position sur les modes, si la console n'a pas été créée pour ça, je ne veux pas mettre de RGB sur mes consoles. Donc pour le moment, on fera Caraïbes Offshore donc, et Thunder in Paradise, son nom américain, avec toujours la petite remise en contexte. J'ai même trouvé un article français sur ce jeu. Ça, c'est fou. Il y avait un magazine à l'époque qui traitait des jeux CDI. Croyez-le ou non. Et voilà. Oh, les muscles de Hulk Hogan, exactement. Hulk Hogan qui est quand même un grand monsieur hein, de mon enfance. Moi, personnellement, je l'ai connu dans la World Wrestling Federation, la WWF, qui passait en général avant... Alors, il me semble que c'était avant sa cartoon. Non, je ne sais plus, en fait. Qu'est-ce qu'on attendait quand à la télé passaient les superstars du catch, ça s'appelait, je crois. L'émission. On reset le CDI. Prochaine étape, la tête d'Aru dans le CRT qui se balade dans la pièce sur roulette motorisée. Alors,
C'est marrant que tu dis ça, mais moi, quand je voulais faire la catovision à l'époque, j'avais eu envie de me filmer avec une caméra DV800 ou DV400. Je crois que c'est DV800, les meilleurs. Et de me mettre en sortie vidéo de la télé et de filmer la télé avec ma tête dedans pour faire la cam. Ça aurait été incroyable. J'avoue que ça aurait été vraiment quelque chose de dingue. Ça aurait été une webcam moderne qui filme une télé sur laquelle est relié un caméscope qui me filme. Donc j'aurais pu limite streamer dans une autre salle que la salle où il y avait le cathodique. Ça aurait été rigolo. Et alors il y a très longtemps, il y a encore plus longtemps, mais c'est pour vous dire à quel point je suis complètement détraqué mental. Moi, je voulais emmener un CRT. Alors c'était, je vous parle de ça en 2002-2003, hein, quand il y avait Justin TV, quand il n'y avait même pas Twitch, même pas un début de Twitch. Je sais même pas si. Non, je pense que c'était plus tard que 2001-2002. Mais un truc pas loin, quoi, en tout cas. Salut la petite Tail, comment ça va? Moi, c'est Cache Téton de Hulk Hogan. Bah, moi, j'ai eu peur de mettre Hulk Hogan avec les tétés à l'air. Donc, je me suis dit, je vais mettre des petits Madeville à la place pour le cacher. Puisque Madeville est la figure de la censure aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais, donc, c'était aller sur la place de la Comédie, grande place centrale de Montpellier, à 1h ou 2h du matin. Donc, vraiment, quand il n'y a plus personne dessus. Même si, bon, en semaine, ça marcherait, mais en week-end, ça marche pas. Parce qu'à 2h du matin, il y a du monde sur la place de la Comédie, hein, c'est pas vrai. Et installer un cathodique par terre et y jouer. En plein milieu d'une place complètement vide. Moi, je trouvais que le décalage aurait été incroyable. Évidemment, tout ça s'est passé, hein. Maintenant, j'ai plus envie de le faire. Même si, bon, si on me le propose, je tenterai bien l'expérience. Juste par curiosité. Et bienvenue à toi, la petite pelle, en tout cas. Bonjour. C'est bien, ça a encore changé, Twitch chat. C'est vachement cool, maintenant, encore. Premier message du jour. Premier message sur cette chaîne. On a Slim Teddy qui nous a fait l'honneur d'être ici tout à l'heure. Plutôt cool. Est-ce que le stream va bien? Est-ce que vous trouvez que le stream est beau? Est-ce que le stream est propre? Est-ce que tout va bien en fait? Est-ce que vous allez bien? Voilà. Est-ce que votre journée s'est bien passée? Est-ce que vos différents streams, parce que je vous ai vu passer de stream en stream, hein, vous m'aurez pas? Le stream est propre, très bien. Est-ce qu'on peut manger sur le stream? C'est la vraie question. Après, je sais pas si on a envie, mais est-ce qu'on peut le faire? C'est bientôt à moi, dis donc. Vous allez enfin voir la desserte CRT. Alors c'est drôle parce que du coup j'ai configuré toutes les lumières par rapport par rapport au coucher du soleil. Le coucher du soleil est terminé officiellement en 10 minutes. Donc le stream a changé de slip, voilà, le stream est frais. Bonjour. Le stream sort de la salle de bain. Salut Samisan, comment tu vas? Acheter la récompense, bonjour, pour 20 points. Putain, c'est cher. Yes, je reçois mon colis Bailly demain. Oh, trop bien, excellent. Tu viens donc de Bailly. Eh ben écoute, un mystère de résolu. Moi j'aime bien savoir d'où viennent mes viewers. Salut Radus! Hello Haru et le chat, salut à tous! Toujours le même problème. Il va falloir que je coupe cette musique qui est cool et entraînante. Parce qu'on va passer en Just Chatting. En Just Chatting, j'ai que des musiques basses. C'est normal. Attention, la desserte est là. Est-ce que vous êtes prêts pour la desserte? Attention. Ce sera pas la musique du bonheur, c'était la musique du bonheur que j'ai arrêté. La lumière est en place, vous le voyez. La cam, c'est l'ancienne. Ça, c'est la cam qui sert de webcam. Pour le coup, c'est une vraie webcam. L'appareil photo est là. Voilà. Donc, il sera mis la prochaine fois. Alors, c'est très laid, hein, cet étui. C'est le vendeur qui me l'a vendu. Je vous avoue que pour le déménagement, ça m'a bien dépanné. Mais l'A6000 revient en force pour le prochain stream. Je sais pas quand. Voilà. L'A6000 est bien là. Il revient pour le prochain stream. La cam webcam, c'est de la bonne cam, exactement. On peut la sniffer, on peut la consommer. C'est de la bonne cam. Petit t-shirt Mario Kart 8, petit t-shirt du week-end prolongé. Vous voyez ici Hulk Hogan qui me permet d'avoir justement une image sur le CRT. Le Mister FPGA est branché H24 sur le CRT. Mais aussi, regardez, si je prends cette télécommande, c'est fantastique. Le setup est incroyable. Je peux changer de source. Ça ne marche pas, bien sûr. Évidemment, ça ne marche pas. L'auto-switch fonctionne, mais pas le... Ah, je ne peux pas! Ah si, ça y est! Peut-être que j'ai pas la patience. Voilà, si j'appuie sur 2... Voilà. Là, j'ai le Mister FPGA sur la télé et en bas. Et si j'appuie sur 3, je reviens sur le CDI. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je... Ça me dépasse, toute cette technologie, ça me tue. Je reset le CDI, excusez-moi, hop, hop. Je sais pas si vous voyez bien le CDI, il est là. Hop. Le CDI 450, qui est juste là. Voilà.
Et vous pouvez voir que je peux bouger la desserte où je veux. Je peux bouger le CRT comme je veux. C'est assez incroyable. Je suis très content d'avoir fait ce setup. J'ai l'air con parce que ça sert pas à grand chose au final. Mais le futur, c'est déjà le passé chez Arrow, exactement. Bienvenue dans le futur. Alors peut-être mettre un peu plus de light. Incroyable. Ah, plus, j'ai dit. Voilà. On va se mettre un peu plus dans l'ambiance. Vous pouvez voir derrière la porte qui est bien vintage, hein, d'ailleurs. Avec mon petit morceau de comptoir de cuisine aussi. Donc, est-ce que vous avez passé un bon week-end prolongé? Est-ce que vous êtes content de votre vie? Est-ce que votre vie vous plaît? Si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à la changer. C'est important. Souvenez-vous quand je vous parlais de ma santé mentale, quand je vous disais mon appartement, ça ne va pas, et ma santé mentale doit passer avant tout. Ma santé mentale va mieux, et regardez, j'ai le dessous des yeux, ils sont plus cernés. Enfin, presque plus. Il y a tout petit cerne encore, mais ça va. Je vais aller chez le vendeur de vie alors, pour en changer. Ah oui, c'est vrai que toi, t'aimes pas la chaleur, c'était ça. En parlant de la CDI, j'ai regardé cet après-midi la vidéo de Gunhead. Ah oui, j'ai appris que Gunhead a fait une vidéo, mais apparemment c'est un peu à charge contre le CDI. C'est un nouveau Arnaud Taco, exactement, un nouveau. Toujours avec la même casquette par contre. Casquette de Pisuke, évidemment. Un Arnaud Taco tout neuf, exactement. Caribe Offshore, excusez-moi, j'ai oublié de le démarrer. Cette musique est incroyable. Ce soir, donc, Caraïbes Offshore, Thunder in Paradise. Alors, Caraïbes Offshore, la série, qu'est-ce que c'est? D'abord, on va commencer par ça. Caraïbes Offshore, incroyable. Ça fait tout bizarre d'avoir Hulk Hogan juste au-dessus de sa tête, en mode tétonisé par Madeville. Voilà. Ça, je n'arrive pas à m'y faire. Caraïbes Offshore, donc Thunder in Paradise, est une série télévisée américaine en un pilote de 90 minutes et 20 épisodes de 45 minutes. Voilà, exactement la durée de la série. Ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs. Arrive Otaku sous blister. Quand j'ai déménagé, je crois que j'étais sous blister parce que j'étais vraiment fatigué. J'étais tellement stressé au milieu du déménagement. C'est un déménagement qui a failli pas se terminer, pour info. Hein. C'est un déménagement qui a failli... J'ai failli rage quit mon déménagement, à un moment. J'étais vraiment dans un sale état. J'étais assis au fond de mon garage dans l'ancienne résidence avec la camionnette complètement défoncée sur le côté, parce qu'on a défoncé la camionnette sans le faire exprès, contre un mur. Et je me suis dit, c'est fini. Je peux pas finir mon déménagement, c'est la merde. Le conducteur, la personne qui le conduisait, était aussi dans un sale état. On était tous ultra fatigués. On avait sous-estimé complètement le déménagement. J'avais mal préparé le déménagement, même si je l'avais beaucoup mieux préparé que le premier. Bref, ça a été très très compliqué. La petite pelle sous blister, c'est marrant. Voilà, donc pour vous dire, je suis très heureux d'être là, et maintenant je suis plus ou moins sous blister tellement je suis refait à neuf. Je crois que j'ai jamais regardé un épisode de Caraïbes Offshore à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Moi non plus. Si j'avais su qu'il y avait Hulk Hogan dedans, j'aurais peut-être regardé d'ailleurs. Hein. Créé par Michael Burke et Douglas Schwartz, et diffusé alors entre le 25 mars et le 27 novembre 1994 en syndication. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. La syndication ou souscription est un système qui consiste à vendre à plusieurs diffuseurs le droit de reproduire un contenu ou de diffuser le programme. Le vendeur de contenu est appelé syndicate. D'accord, c'était vendu en syndication. En France, la série a été diffusée à partir du 31 mars 1995 sur M6, puis sur Série Club. 95, il faut savoir que moi, sur ma télé, n'était branché que des consoles de jeux vidéo. C'était terminé, 95, je ne regardais plus la télé ou presque. Il n'y a que Game One qui m'a fait changer en 2000, le jour où on a eu TPS à la maison. On a reçu TPS, on avait Game One dessus. La seule chaîne de télé que je regardais en dehors des jeux vidéo, c'était Game One. Et c'était plutôt cool, le début. En 95, je revenais de la guerre, je m'en souviens, c'était pas facile sur les tranchées. En plus, je joue à World War II Rebuilder en ce moment. C'est drôle de parler de la guerre, du coup. Synopsis. Randolph G. Spencer, surnommé Hurricane, et Martin Brubaker, dit Bull, sont deux anciens des forces spéciales de la Navy. Les amis de toujours ont mis au point un bolide des mers surpuissant, baptisé Tonnerre. Tonnerre. Thunder in Paradise. Tonnerre au paradis. Depuis le refus du gouvernement d'en développer la production, le seul exemplaire du bateau futuriste est l'arme redoutable d'Hurricane et Martin, pour faire justice dans les eaux de Floride. Au Paradise Beach Hotel, leur QG, il n'est pas rare de croiser la jolie Kelly, l'oncle Edward, et la petite Jessica, fille adoptive du géant à moustache. Géant à moustache, Hulk Hogan, que vous voyez derrière moi d'ailleurs. Juste là, incroyable, Hulk Hogan sur WWF Super WrestleMania, qui est un jeu excellent hein, d'ailleurs, il me semble. Je sais qu'il est sorti sur PlayStation, il a une version PlayStation Super WrestleMania. Très 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 bon jeu de catch, très arcade et très fun. Je sais aussi que sur 32X, il y a eu deux jeux de catch. Pour le coup, c'est un des genres les plus représentés sur la console, puisqu'il y a deux jeux identiques, donc forcément, enfin, il y a deux jeux qui font le même genre.
Ça, c'est la liste des épisodes, on s'en fout complètement. Film en vidéo, il y a eu des films OAV, du coup. Il y a eu les deux parties du pilote qui sont incluses dans la version US de la version CDI du jeu qu'on n'aura pas aujourd'hui, puisque la version française est tronquée du pilote. Vous allez voir ça dans la page Wikipédia, c'est bien fait. Thunder in Paradise Video Game, là on tombe sur de l'anglais, il n'y a que 22 épisodes. Ça n'a pas marché du tout, effectivement. Il n'y a que 22 épisodes, c'est une série qui n'a pas fonctionné du tout. Mais il y a justement eu un jeu quand même, un jeu vidéo, sur PC et CDI. Voilà, un film interactif dont la star est Hulk Hogan et Chris Lemon, qui est Cody. Non, c'est pas lui, pardon. Chris Lemon, c'est l'assistant conducteur du bateau, vous allez voir. Et Hulk Hogan, que je ne présente plus, putain, il a une tête de chien, j'allais dire, c'est un peu méchant. Mais il a une tête, si, hein, il y a un type de chien qui a ce regard, là, un petit peu dans le vide, là. Droopy, non? Il a une tête de Droopy. Terry Ginny Bollea, voilà, donc Hulk Hogan, simplement. C'est un Américain à la retraite qui faisait du catch, hein, tout simplement. Le catch, je vous rappelle, c'est un sport d'apparat de combat où on fait semblant de se battre. Et c'est plus ou moins scénarisé, il me semble. Je sais pas à quel point c'est scénarisé. Mais voilà, je connais pas suffisamment pour en parler plus que ça, mais voilà, sachez que Hulk Hogan, c'était ça. Le jeu est sorti sur CDI et sur PC, basé sur la série télé qu'on vient de voir, qui a le même nom que Thunder in Paradise ou Caraïbes Offshore. Le jeu est jouable... est une version jouable, pardon, en deux parties de l'épisode The Major and the Minor, The Major and the Minor, et des footage vidéo du jeu ont été filmés en même temps que l'épisode lui-même, The Major and the Minor, un des épisodes The Major and the Minor, j'imagine que c'est... On va essayer de le trouver dans la liste, allez. Ah, The Major and the Minor, voilà. Donc c'est le 21 et le 22e épisode, les deux derniers, tout simplement. Ils sont passés le 20 novembre 94 et le 27 novembre 94 aux USA. Mon papa a beaucoup regardé cette série sur M6 comme le flic de Shanghai. Mon papa aime bien la bagarre. La bagarre. Je sais pas si ça se bat beaucoup dans Thunder in Paradise. Ça se tire dessus. Je viens de voir sur Google, Hulk Hogan a 70 ans. C'est ouf, hein. Le mec a toujours des bras larges comme des cuisses. Je sais pas. Thunder in Paradise a été dirigé par Robert Weaver and designed and produced by David Lauren and David Todd pour le jeu, du coup. Gameplay, le scénario est divisé en trois événements appelés des encounters. Le Thunder Encounters, le joueur prend le contrôle de Tonnerre, le bateau, du coup. Il a énormément d'armes dans son arsenal. Il peut détruire les bateaux, autant de bateaux que possible, tout simplement. Et vous allez voir que c'est pas évident, d'ailleurs. Ça me rappelle un peu les séquences de tir de Burn Cycle, où il faut tirer et vous allez voir le projectile partir. Et ça peut prendre pas mal de temps avant que le projectile n'arrive à sa cible. Donc il faut beaucoup appréhender les tirs. C'est comme... je sais plus comment s'appelait ce jeu, Météor, un truc comme ça, un jeu d'arcade, un très vieux jeu d'arcade qui jouait à la trackball, où on déplaçait son viseur et quand on appuyait, on lançait un missile, ça mettait du temps à arriver. Salut Benjamin, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. J'espère que tu vas bien. Après, il y a Island Encounter. Salut Psuke, comment tu vas? Regarde, la desserte, incroyable. La desserté. Oh, la desserté. La desserté. Oh là là, ça y est, j'ai le nom. J'ai trouvé le nom, ça y est, c'est bon. Merci. Vous m'inspirez, heureusement que vous êtes là. Le Island Encounter, c'est comme Mad Dog Macri, vous allez voir. D'ailleurs, le jeu est compatible flingue. Ça, c'est super intéressant aussi. J'ai vu quelques épisodes de cette série. Bah, c'est marrant parce que tout le monde connaît la série de nom et beaucoup de gens n'ont pas regardé. C'est drôle, je trouve. C'est un point commun que beaucoup de gens ont sur cette série. Les épisodes à la Mad Dog Macri, donc les encounters, pardon, à la Mad Dog Macri, il faut juste tirer sur les ennemis avant qu'ils ne tirent sur vous. Le DCRT, qu'on remette un Oscar à ce monsieur. Ce setup OP, il est magnifique ce setup, regarde, tu as un Mister FPGA qui montre Hulk Hogan, tu as Hulk Hogan himself en haut, et tu as Hulk Hogan ici, présentation du jeu auquel on va jouer ce soir, Thunder in Paradise, aka Caraïbes Offshore, et je reset le CDI. Parce qu'il faut resetter le CDI périodiquement, sinon on n'a pas de vidéo rigolote à regarder en bas, juste là. CDI qui marche très bien d'ailleurs.
D'ailleurs, il y a des news, il faudra que je vous montre ça, mais ça y est, l'ODE CDI est en route. Il est en train d'être produit, d'être créé, ça c'est incroyable. Et même le dénouement entre Hulk Hogan et cet ennemi juré, où tu découvres pourquoi. En fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fin, parce que, alors, dans les fun facts du jeu, c'est vrai que le méchant du jeu, c'est la doublure de Arnold Schwarzenegger dans ses films. Hein. Il y a plus d'Hulk Hogan que d'Haruno Taku sur ce stream, c'est vrai ça. Il y a même là en ce moment, oui. Là, s'il y a lui et en bas en plus, alors là c'est fini. Ensuite, alors donc, il y a le lab encounter, pardon. Alors, ça c'est la liste des encounters. Donc il y a les phases en bateau, les phases sur l'île où on tire sur les gens. Et lab encounter, c'est un peu pareil que les phases à la Mad Dog Macri où on tire sur les gens. Salut Endo, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Le player doit tirer sur les ennemis. C'est la même chose que du coup les Island Encounters, sauf que c'est dans un laboratoire. Ça dépend des performances du joueur dans les anciens, dans les épisodes d'avant, dans les encounters d'avant. Il y a deux moyens d'expérimenter Thunder in Paradise Interactive Television. Ça c'est le nom complet du jeu. Il y a deux moyens d'expérimenter Thunder in Paradise. Interactive Television, ça vous laisse prendre le rôle de Zack dans la série. Spence and Brew lui demande de l'aide. Et en jouant à trois Game Encounters, en jouant à trois des types de jeux que je vous ai cités il y a deux minutes, le meilleur joueur joue un encounter. Plus il y a de bonus, plus vous allez les garder dans les prochains encounters, donc prochains types de jeux. Game Only allows the player to choose one of the three Game Encounters. Donc directement, Game Only, ça vous permet de choisir directement les trois types de encounters du jeu. On sait qu'il est là, son aura nous envahit. Arunulk Taku. Je sais pas qui gagne là-dedans, mais c'est incroyable. On arrive même à confondre Arun Otaku et Hulk Hogan. Ah, mais c'est le jaune! C'est vrai, en plus, on a le même jaune, j'avoue. Il me faudrait juste un bandana. Ah, Pisuke, il va falloir que tu me fasses un bandana. Capybara. Un capibandana. Un bandabara. C'est bizarre, bandabara. Je vais pas pouvoir rester planqué dans la salle de bain. Ah, d'accord. Je comprends ce que tu endures et ce qui se passe. Bonne soirée à toi, du coup, Pisuke. Et écoute, c'est déjà super cool que tu sois venu. Et bonne soirée à toi. Malgré tout. Après avoir vu le pilote de Thunder in Paradise, qui est inclus dans la version américaine du jeu, que je n'ai pas moi, puisque la version française n'a pas ce pilote, c'est le pilote du premier épisode de The Major and the Minor, l'avant-dernier épisode de Thunder in Paradise. Le directeur Robert Weaver a pitché l'histoire de la série au producteur Michael Burke. Le footage de la série et du jeu ont été filmés sur 10 à 12 jours en utilisant 34 pages de script et 134 pages de script pour le CDI. Les deux ont été écrits par Tom Greeny. 134 pages pour le script du CDI, du jeu CDI. Incroyable. Ça me dépasse. Donc voilà, vous allez voir que le jeu sur CDI n'a pas eu un très bon score, en tout cas là où il a été vraiment testé. Il a été testé surtout aux US, parce que le CDI finalement en Amérique il est quand même sorti, sous la marque Magnavox, pour rappel, hein, pour ceux qui s'en souviennent pas. Et comme la série était populaire, le jeu a été testé même dans la presse jeux vidéo globale. Salut Philippos! C'est mieux que les toilettes, Pisuke. Hello, hello à tous. Ah, mais tout le monde est en repas de famille parce que c'est le 8 mai, j'avais pas capté ça. Oui, mais c'est écrit en majuscule et gros. Ben, si c'est écrit en majuscule et gros, c'est que c'est Major! De Major and de Minor. Ici, vous avez la page Moby Games. Vous savez que j'aime bien regarder la page Moby Games. Il n'y aura pas d'instant bailli ce soir. C'est triste, hein. C'est... Je vais quitter ça, reset tout seul, non? Oh putain, il y a un générique de fin. Terry Hulk Hogan. Les droits du producteur et du propriétaire de l'œuvre sont réservés sauf autorisation de reproduction, de location, le prêt et l'utilisation pour exécution publique sont interdits. Oups. Bon, si on vous demande, vous l'avez pas vu, hein, le jeu ici. Hein. Moi, je vous l'ai pas montré. Hein.
On redémarre le jeu. Donc Thunder in Paradise, c'est un film interactif avec Hulk Hogan, Hurricane Spencer et Martin Brubaker, Chris Lemon. Je crois que c'est Chris Lemon, le Cody, du coup, dans Notre Belle Famille. Vous allez le reconnaître instant. Basé sur la télé, sur la série télé, Supersonic Boat Called Thunder, voilà, donc Tonnerre, le bateau supersonique. Tout à l'heure, j'ai regardé, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, mais j'ai regardé la Kalios TV, KTV, Kalios, le streamer, et je me suis aperçu qu'il allait, du coup, faire ses emplettes sur CD Romance. C'est assez drôle. Ça m'a rappelé que CD Romance existe et qu'il faut que j'y retourne pour vous faire des jeux. Il y a probablement de la Saturne qui va arriver, du coup, au Philippos, je profite que tu sois là. Quel joli DCRT derrière toi, incroyable. Il avait déjà... Par contre, elle n'est pas bien droite par rapport à la cam, ça m'énerve. Mais voilà, elle est mieux. Peut-être la rapprocher un peu. C'est incroyable. C'est pas sans fil, mais ça me permet de la rapprocher. Bon, là, il y a le reflet de l'écran dedans, mais ça va. Pourquoi vous montrer Moby Games? Pour vous montrer les jaquettes. Voilà. Donc la jaquette américaine du jeu, Thunder in Paradise. An action-packed TV show is now interactive, starring Terry Hulk Hogan and you, PG. Tout disque, alors vous allez voir que le tout disque, il s'évapore en français, bien sûr. On a ici des séquences de jeu. On peut voir que c'est honnête, l'arrière de la boîte, avec des vraies séquences de jeu. Pour le coup, il y a vraiment des morceaux de jeu. C'est la vérité. Il y a des vrais jeux, finalement, à la fin du CDI, il y avait des vrais jeux. C'était un peu simpliste. Et ça, c'est... Thunder in Paradise... Ah, ils ont pas la jaquette française. Inside cover, back cover... Ah, ils ont pas la jaquette française. Il faudrait que je leur file, du coup. Ça, c'est la jaquette néerlandaise, du coup. Ok, bon, bah, écoutez. La jaquette française, la voilou, la voici. Tac. La jaquette française, avec marqué Caraïbes Offshore, car chez nous, elle s'appelait pas Thunder in Paradise, la version française. Et vous pouvez voir qu'il y a du texte français à l'arrière, que je vais vous lire. Bienvenue aux Caraïbes, propulsé dans une aventure mouvementée avec vos amis Spence, Terry Hulk Hogan et Brew Chris Lemon. Votre mission est de sauver Jessica, la fille de Spence, et de reprendre le contrôle de Major, M-A-J-O-R, et de terrasser votre pire ennemi, Rampahik. Rampak. C'est le pire ennemi, c'est le Rampak de la 64. Pour y parvenir, un seul moyen, sortir vainqueur de trois palpitantes séquences de combat. Traverser les mers à une vitesse phénoménale à bord de Thunder, donc tonnerre en français, hors bord de 15 mètres, dernier cri de la technologie, installez-vous aux commandes de la batterie d'armes, embarquez et assurez sa défense. Affronter sur les chemins tortueux de l'île de Rossiter, les hommes de main de Rampike, engagés à un combat rapproché avec Major, un bio-humanoïde, doubleur de Arnold Schwarzenegger, le doubleur corps de Arnold Schwarzenegger, vous allez le voir. Hein. Il faut la carte vidéo MPEG, elle est obligatoire d'ailleurs, on peut le voir ici, Digital Video on CDI. Ça veut dire que la carte MPEG est obligatoire, on peut voir Hulk Hogan, version Mega Drive, très malade ici. J'aime beaucoup, vous voyez, deux Hulk Hogan ici, oh là là, incroyable la quantité de Hulk Hogan sur ce stream. Voilà, Digital Video on CDI, c'est écrit là. Il est écrit, la série TV est désormais interactive, devenue le partenaire de Terry Hulk Hogan. Et à la fin, on dit, un bio-humanoïde dont on a perdu le contrôle est sauvé Jessica. Ceci n'est pas un jeu, mais de la télévision interactive, et vous en êtes le héros. Deux disques, il y a marqué deux disques, le jeu Caraïbes Offshore, l'épisode TV, The Major and the Minor. Mais alors, pourtant, il n'y a vraiment qu'un seul, truc... J'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir deux disques, j'ai l'impression qu'il y a une erreur en fait. Parce que j'arrive pas à... Il n'y a pas deux emplacements en fait. Enfin, je me renseigne, mais de tout ce que j'ai lu, il n'y a qu'un seul disque dans la version FR. Si vous possédez un lecteur de CDI Philips, celui-ci doit être équipé d'une cartouche digitale vidéo. C'est le fameux message qu'il mettait systématiquement dans les jeux sortis plus tard. Il y a aussi une big box de PC. Voilà, si vous voulez un Hulk Hogan dont on voit presque l'intégralité, incroyable. Voilà. Et ben on va passer. Il n'y a pas d'instant bailli, puisqu'évidemment, vous vous rendez bien compte que les jeux CDI au Japon, il n'y en a juste pas. Ah non, par contre, c'est pas fini. Je dis de la merde. On a aussi un magazine. Alors, ce magazine, je l'ai vu dans les magasins de jeux vidéo. L'autre disque, ça va peut-être à l'épisode de série qu'on n'a pas eu. Exactement. L'autre disque, c'est ça, c'est le pilote de la série, qui finalement est sorti en deux épisodes, ce pilote. Enfin, le pilote du dernier épisode de la série.
qui est sorti sur en deux épisodes à la télé, et qui au final était distribué sur un seul disque aux US. Moi, j'ai jamais vu de version de Caraïbes Offshore avec les deux. J'ai donc trouvé un article Génération CDI. Incroyable quand même de trouver ce truc-là. C'est un magazine qui parlait que du CDI. Il y a très peu de tests de jeux. Il y a plus de tests de films que de tests de jeux dans ce magazine. Ça fait vraiment peur, en vrai. C'est un magazine vraiment qui donnait pas envie d'être acheté. Alors, peut-être connaissez-vous la série télévisée Caraïbes Offshore. Cette série a comme héros le célèbre catcheur de la WWF, Fédération américaine de catch, et tenant du titre mondial Hulk Hogan. À bord du Thunder, un hors-bord digne du meilleur des James Bond, il joue le rôle d'un mercenaire marin, volant au secours de la veuve et de l'orphelin. Caraïbes Offshore sur CDI reprend le scénario d'un des épisodes de la série, donc le dernier, d'un des épisodes de la série. The Major and the Minor. Durant le tournage de cet épisode, certaines scènes ont été filmées spécialement pour le jeu, un jeu qui vous met aux commandes du Thunder, confronté à un tas d'ennemis. Alors pas seulement, dirigé par le grand méchant Rampike. Ça me fait rire à chaque fois de voir Rampike, ça me fait penser à Rampack. En fait, vous regardez tranquillement l'épisode sur votre CDI et dès qu'une scène d'action fait irruption, c'est vous qui prenez les commandes. Heureusement, Hulk Hogan est là pour vous donner des conseils. Si jamais vous êtes trop pantouflard, vous pouvez choisir de regarder l'épisode sans jouer. C'est ça l'interactivité sortie avril 95, ce jeu, du coup. Je sais pas si c'était dit dans la page Wikipédia, mais ouais. 1995, ils n'ont pas dit la date précise. Salut Sean, comment ça va? Fameuse série avec Hulk Hogan, il avait également joué dans un épisode de l'Agence Tourisque. Ah, je savais pas ça. Sans compter dans Rocky 3 et même dans La Croisière s'amuse. La Croisière s'amuse, ça, alors j'en avais entendu parler, jamais vu. Et Rocky 3, je savais pas, tu m'apprends. N'hésitez pas, évidemment, j'ai fait aucun SO parce que je suis un sac. Qui c'est qu'on a qui stream ici? Il n'y a que Chan, non? Ah si, il y a Flu Yoshi aussi. N'hésitez pas à aller voir Flu Yoshi. Et voilà. Erax, il ne stream pas non plus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Chan. Je vais lui faire un SO, je sais pas comment on fait. Je sais plus. Je vais y arriver. Je furte partout pour faire la publicité de mon jeu. Bah vas-y, hein, envoie un lien, de toute façon, ici, tu peux envoyer des liens. Je ne bloque pas les liens. Je sais que ça sert à rien. Je sais que les gens nuisent autrement, donc ça ne me gêne pas quand il y a un lien qui part. Et de toute façon, on ne peut pas se faire ban pour un lien dans le chat. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller tester le jeu de Shan, qui est un jeu sur PC et Mac, si je ne me trompe pas. Un hommage à l'Amstrad, c'est ça? Au CPC, je sais plus combien. Enfin, je t'ai vu passer, je sais plus exactement, mais n'hésite pas à faire de la pub. Il a fait un jeu récemment, et il fait aussi des streams, plutôt rigolo. Par contre, j'arrive pas à trouver comment on essote les gens, c'est un peu chiant. Avant, j'avais le truc directement pour SO les gens. Super Nintendo. Puzzle and Dessous. J'ai appris les mécaniques de jeu. Ah, d'accord, c'est un hommage à la Super Nintendo. C'est marrant ça que j'ai pas les options pour faire des SO. C'est moi qui suis con. Activer le suivi, lire les messages. Le timeout, je peux bloquer ça, d'accord. Non, je peux pas. C'est moi qui suis pas doué, hein. Ils ont tout changé en même temps. Il y a plein de bons jeux sortis uniquement au Japon. Ouais, clairement. J'ai vu qu'il est sorti qu'au Japon. Endensu? Je connais pas du tout. Et ben, on va passer au jeu du coup, maintenant qu'on a tout lu. Je crois qu'on a tout lu. Donc, on va faire ça et on va passer en mode rétro. Et on va reset la console. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va écouter un petit peu le son de l'époque. Vous savez, quand vous démarriez un jeu CDI. Est-ce que vous vous souvenez du son que ça faisait quand on démarrait un jeu CDI ou pas? Attention, j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez entendre le plus beau son de ma jeunesse. Et alors, je l'ai tellement peu entendu ce son parce que j'achetais très peu de jeux CDI, enfin très peu de jeux. On va dire que par rapport à la Super NES, à la Mega Drive et au PC, où on avait des jeux vraiment qui arrivaient souvent, les jeux CDI étaient plus rares, mais attention, c'est parti. Écoutez bien. Vous allez reconnaître.
Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Vous rentrez dans le monde de Philips Maydieu. Ma femme avait un CDI à l'époque. Elle avait pas mal joué à L'Ange et le Démon. Je connais le nom du jeu, j'y ai jamais joué. Ah, Chris Lemon, donc c'est pas lui. C'est pas Cody. Ça, c'est la meuf qu'on voit quasiment pas dans le jeu, au final. Puisqu'on doit, on doit la sauver. La musique fait très alerte à Malibu. Bah, la série fait très alerte à Malibu, je trouve. Ouais. Pour moi, ce son, c'est le moment où... Je mets des GG dans le chat de Capri. Ah oui, c'est quand il réussit à réparer un CDI. Under Interactive Developed by Philips Pove. Michael Burke, Douglas Schwartz. Les fameuses personnes qu'on a vues tout à l'heure dans la description du jeu. On est bien en rétro. Ça a marché, la chance. Ça a pas marché. Salut, mec. Salut. T'as l'air de péter la forme, on dirait. C'est pas les bons doubleurs, hein, évidemment. Hi. Ils ont pas tout traduit, apparemment. C'est bon, c'est exactement ce que je voulais. On fait une pause. Maintenant, dégagez-moi le terrain. Je fais trop bien, le réalisateur. Oh là là. Regardez Seul Kogan. Tu fais 3 tonnes, toi. Oh, bah ça fait plaisir de te revoir. T'as fait un excellent boulot. L'interactivité fonctionnait génial. Viens par ici que je te montre. Diti, mais qu'est-ce que tu fous là exactement? C'est celui de gauche. Sur Tribord, je te dis. Ouais, c'est Wes. Pauvre. Il joue à la manette alors que c'est un jeu qui se joue clairement à la souris. C'est bien mieux. Maintenant, je suis foutu. Hey, salut! Je suis content de te revoir, tu sais. Et je te jure, il faut que t'essaies ça. Tu te souviens de Caraïbes Offshore, la série? Eh ben là, c'est pareil, mais c'est toi qui fais ton programme, mon vieux. C'est comme un genre de télévision, mais c'est interactif. La série était géniale, et toi, t'étais cool. Tu étais extra, la série était chouette, mais moi, j'adore prendre part à l'action, me mêler à l'intrigue. Tu fais les deux, la série et un jeu, c'est ça la télévision interactive. Ça promet. Je veux voir ça de près. Ah, ils ont pas remis le Thunder in Paradise. Le quatrième mur vient d'exploser là derrière. Ah oui, j'ai entendu. J'ai entendu le quatrième mur faire. Alors, Interactive Television, je pense qu'on va commencer par ça. Enfin, c'est moi qui ai fait le jeu. Ah merde. Exactement. Interactive Television. Alors du coup, là, on choisit ce qu'on utilise. On peut jouer au gun. Tout le jeu est jouable au gun. Je vais mettre un déplacement de curseur assez rapide, genre entre medium et fast. Voilà, choose the controller speed. Ah, c'est en anglais, ça, tient d'ailleurs. And press action button. Et done. Calibration of input device. Alors ça, c'est la calibration qui fait que on appuie sur rien. Le jeu attend que tu appuies sur rien. Et là, ça fait point zéro. Voilà, tout est calibré à zéro. Et l'épisode commence. L'épisode interactif commence. J'espère que vous êtes prêts. Alors lui, c'est le doubleur d'Arnold Schwarzenegger. Doubleur cascade et doubleur corps. Pour Terminator 2, en tout cas, ça a été lui apparemment, si je me trompe pas. Ça se voit d'ailleurs, il a la tête un peu pareil. Tête très carrée. Pas type Schwarzenegger. C'est le Kogan. Regardez, il a des LED sur sa tête. C'est à ça qu'on reconnaît le futur. Le plus vite possible votre mémoire au maximum. Pour éviter toute synesthésie, nous devons conserver les rythmes bêta du Major entièrement ouverts. Ce qui signifie que ses défenses seront réduites et qu'il sera complètement réceptif aux ordres extérieurs. Il digitalise son cerveau. On pourra visualiser ses intentions avant qu'ils introduisent les ordres dans le Major. Le transfert de la liaison neurale peut être converti en numérique. Le Major est prêt. Envoyez les images. Bibou bibou bip. C'est terrible. Ah, y a des moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Major a été programmé par un ordre prioritaire extérieur. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, je n'en sais rien, j'ignore d'où ça provient. Oncle Spence, ça va?
un suspense. Quelque chose qui vacille. Les choses qui vacillent. Y'a rien qui va. Il se court. Il faut stopper immédiatement. C'est le méchant. Ouf. C'est bruitage, putain. Robert Weaver. Et bah, c'est parti. Il vaudrait peut-être mieux commencer par faire un. On s'est fait à coup. Ah, ça y est, Alundra du CFS, ça y est. Oh, allez, sois sympa, je suis le seul à. Ah, il est trop bien. Ce putain d'ordre prioritaire extérieur. Il a dit putain. Et comment? Grâce à la liaison neurale, je n'aurai plus qu'à utiliser le soft gun pour diminuer son autodéfense et l'avoir sous contrôle. Je n'ai pas le bon doubleur. Avec la liaison neurale, il m'arrive de voir ce que le Major voit, comme ça on saura où il en est. Regardez-moi ça, c'est Cody. Vous êtes foutu sans moi. Il y a Jean-Michel Santé qui est perdu. Oh putain, comme ça accéléré. C'est un tout petit bateau motorisé. En accéléré, on dirait. Bon, évidemment, la qualité des vidéos est incroyable. Faucon. Missiles venant plein sud, bro. Le Major a engagé le processus. Il a pour directive de détruire l'ennemi. Mais c'est du délire. Thunder, active les boucliers. Waouh. Ah, mais c'était pas mal hein, pour 95 ans. Ouais. Ah, quoi que. Non, j'ai rien dit. Oh! Le Major ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre! Ça ne va pas le doubleur. Le doubleur est pas bon du tout. Hein. Arrive de toutes les directions. Y a aucun doubleur qui est bon, je crois même. Par rapport à la série. Des furtifs. Ils ont la FMV, c'est incroyable. Vous voulez dire sacrée technologie des espions automatiques qui envoient nos coordonnées directement à leurs missiles. Espions automatiques? Alors dans ce cas, on n'a aucune chance de leur tenir tête. Qu'est-ce que tu appelles des espions automatiques? En liaison neurale avec le système. Comme ça, je repère et je détruis. Ah, mais on joue Cody, c'est vrai. Et leurs drones peuvent s'accrocher. Tu te crois dans un jeu vidéo, mon petit bonhomme? Chez nous, Game Over, c'est pas du cinéma. Attends, le prend pas mal, il a raison. C'est probablement notre seule chance. Au secours. Ingame. Merde, Kogan avec les mad cachetété, bah oui. Sinon je vais me faire. De frappe de Thunder, montre-nous ce que tu sais faire. Vous allez maintenant être synchronisé. Ah et oh là là, il passe un mauvais moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Donc devant moi, il y a des trucs qui se passent. Est-ce que je peux tirer sur ces choses? Ah, il y a aussi des trucs sur les côtés, cela dit. Attendez, jaune. Ok. Ici j'ai des roquettes qui m'arrivent dans la gueule, bon évidemment, je peux les éviter comme il faut. Non, non plus. Alors je peux choisir en maintenant la touche 2 et en déplaçant, vous voyez, je peux regarder autour de moi, enfin je regarde devant, il y a des roquettes qui arrivent. Derrière il y a un truc qui arrive, alors je peux balancer des roquettes à l'avance en tirant directement ici. Éviter, c'est pas évident hein, à jouer en vrai. On va pas se mentir. Enfin, ils ont un masque de collision qui est immense, les ennemis, c'est un peu dur. Hein. Ça, c'est des missiles vraiment en mode Joker. Hein. Ça, si vous les utilisez, ça coûte très très cher, il y en a que 13. Le cul, je sais pas comment on l'utilise. Ouais, je regarde, je sais pas. Alors. Ah. Et tu te moques de qui? Continue comme ça et on se fait bouffer par les requins. Bah. Mais Hulk, je fais de mon mieux. C'est pas gentil ça, je fais de mon mieux l'autre. Il me fait la gueule. Je vais pas me faire la hurle comme ça. Ah, je l'ai pas eu là. C'est chaud. Thunder in paradise. Raté. J'arrête pas de les rater, je suis très mauvais. Il y a des trucs qui arrivent plus tôt là. Aïe aïe.
engueulé par avec des moustaches. Bien sûr, par des moustaches avec un vis. Oh, tiens le bambou. Ah, il a dit que tiens le bambou. Tiens le bambou, il a dit, hein. C'est-à-dire que je joue bien quand même. Ah, je pensais vraiment l'avoir détruit. Désolé, non, je peux pas vous lire parce que je peux pas mettre pause. En fait, je vous lis juste après, promis. Ah, ça va, je me démerde là. Je commence à m'en sortir, je pense. Pas évident. Hein. Après, je joue beaucoup mieux que la première fois que j'ai essayé. Parce que je n'ai qu'une seule expérience, c'était ma toute première fois. Et j'ai arrêté après. Hein. Je voulais vraiment me réserver la surprise pour après. Eh, hey, il y a des variations dans les trucs quand même. Go, je te dis, allez, dépêche-toi, vieux! Non mais oh! On est où, là? Mec, je fais de mon mieux, tu sais, il est pas content. En fait, ça sert à rien de jouer sur l'écran de contrôle, je peux jouer sur le retour. J'ai pas l'impression que la latence soit très grave. Tu te boucles le sonore, ma foi. Je prends tous les missiles dans la gueule, ça c'est pas bien. Ça me rappelle Panzer Dragon Mini. Panzer Dragon Mini sur Game Gear qu'il faudra qu'on fasse un jour avec d'autres jeux Game Gear. Parce que bah, beaucoup trop pauvre pour être fait tout seul. Mais qui vaut le coup de s'y arrêter. Panzer Dragon Mini. Je pense à être presque mort là. Oh, tu rêves? C'est pas le moment! Droit devant! Faites mon dieu, connard. C'est chaud. Hein. C'est pas destructible ce truc? Pas mal, pas mal. Ça commence à être bien là, hein. Je commence à bien jouer. Panzer Dragoon finalement. Méfie-toi de la nuée de zinc qui t'arrive sur la gauche. Ah ouais. Ouais. J'ai plus d'armes. Aïe 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 aïe. On reconnaît bien hein, l'influence de l'Eurodance sur les instrumentales musicales des jeux vidéo de l'époque. J'y connais tellement rien d'analyse musicale. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Il y a des gens derrière. Et oui, ça s'appelle des actifs. Ok. Ça commence à être un peu en dèche. C'est très très long, c'est pas très Twitch friendly parce qu'on peut pas trop regarder le chat. Moi j'aimerais voir ce que vous écrivez, je suis sûr que vous écrivez des bêtises, comme d'hab.
Ouais, je l'ai eu. Très bien. Right Shield Damaged. C'est chaud, mais je m'en sors mieux qu'avant. C'est moi ou mon bouclier a augmenté ? Il augmente mon bouclier en fait, il se recharge. Si vous avez remarqué. C'est incroyable. Bon bah c'est bon là. C'est un peu long, non ? C'est un peu long, j'avoue. Tu abats leur drone dès que tu peux et je t'assure, ma tête a coupé ni une ni deux, ils nous feront des vacances. Par contre, ça s'arrête jamais. Parce que, c'est pas que je trouve le temps long, mais. C'est-à-dire, ça s'arrête un jour le jeu ? Ou c'est un mode ice core que j'ai pris ? Peut-être qu'ils attendent que je gère à 100% pour pouvoir continuer le jeu. Ah, si seulement ma Devil n'avait pas été bannie, pourrait m'expliquer si c'est normal. Bordel, alerte, right shield critical. Ouais, mais d'accord, mais. Arrête de m'indiquer les shields qui m'intéressent. Quoi. Putain, je me fais. C'est fait. Tu charges et tu armes. Attention devant. La FMV. Il y a difficulté un peu, non ? Il faut mourir, non ? Parce que je vois pas comment c'est possible. C'est-à-dire, un mec qui vient d'acheter le jeu, il est deg, là, non ? Je suis quasi mort. Salut Marzios, comment tu vas ? On est en train de perdre les boucliers. Tu connais la suite ? Il n'y en aura plus, ce sera le début de la fin. Ah, la motivation, quoi. C'est donc comme ça que vous motivez vos troupes, cher ami ? Cette fois, on se plante pour de bon. Tu fais pas les choses à moitié. Mais moi, c'est la mort. Arrête, faut que tu répares. Ah, on dirait que ça revient. La force et puis la corporation font tout pour cacher tout ça. Ah oui, le fameux. Prévu dans 15 minutes. Toi, t'as intérêt à ce qu'on arrive à temps pour sauver Jessica. Vitesse maximum. Et salut Mardios. Oh merde. Mais je suis mort, mais je suis pas mort. C'est bizarre. Ils ont réussi à redémarrer, c'est bon. Ils ont reboot. Ils ont reboot le bateau et on passe à la suite. J'ai l'impression que c'est une épreuve pour savoir si je suis fort. Du professeur Franklin, je peux peut-être comprendre pourquoi le major a pété les plombs. Regardez comme Cody, il a l'air intéressé. Un court-circuit a mis leur vidéo hors service. Je dispose de ce qui s'est passé dans les heures précédentes. Thunder, envoie les images. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faites dans mon labo ?
Qui êtes-vous? Vous m'insultez en ne me reconnaissant pas. C'est JT, pas Cody. Cody, c'est le grand, c'est ça? C'est vous qui m'avez fait ce que je suis. Je ne vous connais pas. De toute façon, je fais des cymbales dans la tête de Hogan. C'est vrai. Darius Rombike. Tu sais qui c'est, toi? Non, aucune idée, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est JT, c'est vrai. Vous n'aurez pas l'occasion de m'oublier une deuxième fois. Non! Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, le professeur Franklin, on va pas le laisser tomber. Il a vu la caméra, il a tiré dessus. Rombike est une belle vermine. Je parie que c'est l'enfer pour les détecteurs de métaux, ce qu'il a sur le visage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans le jeu. Mais est-ce que je peux avancer dans le jeu? Coming online, please wait. Thunder System. Attention, c'est du sérieux. On a une database. Incroyable. Le Thunder System. Alors, j'ai des EPC, des missiles, des Q-bombes, des défenses. Jusqu'ici, ça va. Vas-y, on a des petites vidéos à chaque fois. Incroyable. Bouclier avant, arrière, tribord, bâbord, indépendant à énergie divisée. Capacité oh là là. Limitée de recharge, visible sur écran. Ça me rappelle quand j'étais petit, mais ma mère elle avait une V6 injection. Ah si, Cabri était là. Ça me rappelle, les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. Tadam ! À chaque fois, la voiture parlait quand on appuyait sur un bouton diagnostic. Et elle disait ce qui va pas. La voix de JT est incroyable. Alors, Thunder Database, EPC c'est quoi? Canon à impulsion électronique EPC, portée 160 km, vitesse réarmement normale. 160 km? Impulsion à séquence d'une seconde 5. Une seconde 5? C'est incroyable, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'une seconde 5 c'est parce que le CDI n'arrive pas à calculer 10 inputs très rapprochés? Parce que tout à l'heure, on pouvait pas tirer. Vous m'avez vu tirer comme de la merde parce que le CDI fait qu'on tire comme de la merde. Distance minimum de mise à feu, 160 km. Pilotage radar, stock extensible. Waouh. Et oui, on peut tirer qu'un une balle toutes les 1 seconde 5 à peu près. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait que le jeu est plus difficile, j'imagine. Bombe impulsion de rayon Q. Onde détruisant objectif dans un rayon de 160 km. Non. Ah, recherche. Mais c'est ça, c'est ce que je pouvais. Je crois que je pouvais l'actionner en appuyant sur le bateau, sur le radar tout à l'heure. Je l'ai pas fait une seule fois ou je l'ai fait par erreur. Mais ok, j'aurais pu gagner vachement. Donc ça, c'est le Thunder. C'est le Thunder. Et là, j'ai la Thunder Database qui me permet aussi de voir le Target Analysis. Incroyable. Street Minimum. Mort info. Est-ce qu'on peut voir? Ah ouais, d'accord, on peut voir tous les ennemis possibles. Incroyable, mort info. Oh là là, la quantité de trucs. Véhicule armement groupé et tir multiple indépendant. Livré par avion provenance Chicago. On a plus de 160 km et hop, sert plus à rien le kit flottant. Oui, c'est vrai que il faut être loin, quoi. C'est loin, Dieu sait. Missile MK2. Missile à tête chercheuse courte portée. Arme légère. Tir groupé fréquent. Tir groupé fréquent. Voilà. Dispositif MK8. Leurre groupée. Grenade série J. Tirée depuis le sous-marin atomique type Honolulu. Le sous-marin de type Honolulu, bien sûr. Bon, bah, du coup, System Return. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi le Lab. Attendez, on a le Rossiter Island Download. Oh! Ah! La pub Tahiti, ça y est. On y arrive. C'est vraiment le moment genre fanservice, quoi. Ils ont vraiment fait ça. On sera à Aqualand, à Agde. Franchement, c'est pareil. Gros JV. Ah ouais, du gros JV là. Après, est-ce que la série était destinée à un public adolescent? Mon cœur va lâcher. C'est vrai que moi, des parcs aquatiques, à chaque fois, ça me rend tout chose. C'est triste à dire, mais. Enfin, c'est pas triste à dire, mais c'est vrai, je suis vraiment beaucoup plus excité par le parc aquatique que par quoi que ce soit d'autre de cette vidéo. Away.
Je crois que oui, mais plus sûr. Bah si, si, je pense que c'était clairement adolescent. Mais c'est bizarre parce que... Bon, il y avait des mecs musclés, d'accord. Donc ça, c'est clairement adolescent, mais un an, je passe. Ouais, c'est ça. L'app database, alors vas-y. Body Sonic. Oh là là. Security Camera. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, j'imagine, que ça, on peut le re... Ah non, même pas. Sinon que la séance de shoot. Ah oui. Quoi, tu donnais au major un nouvel ordre prioritaire. Tu devais établir la liaison neurale pour qu'on en prenne le contrôle. Ça n'est pas moi qui lui ai donné l'ordre prioritaire. Quelqu'un l'a pourtant fait. C'est bizarre, c'est comme s'il s'était créé lui-même un ordre prioritaire. Ce serait possible. Tiens. Avec une technologie nouvelle, comment savoir? On ne peut pas laisser le major nous filer entre les doigts. Arrête, détends-toi. Et pourquoi on appelle la même chose avec SeaQuest? Alors qu'il est, il fait cap sur une île des Caraïbes. Elle appartient à un certain Rossiter. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il recherche une petite fille. Elle s'appelle Rossiter Island. Il en a un bras de Jazz. Très bien. Pardon, excusez-moi. J'ai cassé l'intrigue. Il s'appelle Rossiter Island. Le joli docteur Holden n'a pas l'air d'un enfant de Marie, à ce que je vois. Tu aurais plus d'informations dans la banque de données. Tu veux jeter un œil? Ah, il est insupportable, lui. J'ai envie de lui casser la gueule. Et il est là pour m'aider, lui, parce que on dirait pas. Hein. Il est là pour que je le déteste, juste. Rampike Data. Ah, le mec, il est insupportable. Il arrête pas d'être méchant. Rampike Data, c'est le méchant, le Rampike. Déchargement en cours. Darius Rampike. Classified level 7, autorisation only. Army Grey Forces. Dernière location. C'est nul de faire de la vidéo sans voix, franchement. Current location unknown. On sait pas où il est. Bon, c'était nul, cette vidéo. Spence Neural Tapes. Donc ça, c'est Hulk Hogan. Les cassettes neurales. Ça, c'est ce que j'adore. Je suis sûr que c'est des vidéos de tournage. Wouah, des jeeps qui explosent. Eh, il y a des moyens quand même. Et comme dans la série. Je connais pas du tout, je connais pas suffisamment la série. Vous savez ce que ça me rappelle? Le jeu Mega CD là. Avec les zombies et le Jamaïcain là au début. Comment il s'appelait ce jeu? Killing Switch? Non, c'est pas Killing Switch, c'est l'autre. Ah, comment il s'appelait ce jeu avec les zombies? En Jamaïque. Rock and roll. Exactement. Ah, comment s'appelait ce jeu? Corpse Killer, exactement, Philippe. Ça te rappelle pas Corpse Killer? Franchement. Thunder Database, Exit Database. Les zombies et les Jamaïcains. Exactement. Tu peux compter sur nous deux, mais c'est à toi de protéger Jess. Jess! Corpse Killer, ça. Incroyable. J'ai jamais joué à Corpse Killer. Jamais fini. J'ai vu que l'intro et c'est tout. Et Corpse Killer disponible sur Mega CD 32X. Je vais sans doute essayer de vous en faire une découverte avec une vraie 32X, un vrai Mega CD et tout et tout. T'as ton truc sur la tête? Ouais. Allons-y. Ah. Deuxième séquence. Maintenant on est sur l'île. Il a un super scope à la main? Où j'ai rêvé? C'est le major, je capte des images. Ah non, c'est un flingue, d'accord. Il est tout près de Jesse. Je croyais que c'était un super scope, j'ai eu peur. C'est ce que je croyais. Je me suis dit qu'il respectait plus. Nous, on va par là, toi tu vas dans cette direction. Trouve le major. T'as droit qu'à un seul tir, alors fais gaffe. Grouille! Allons-y! J'ai droit qu'à un seul tir? C'est pas beaucoup. Wouah! GT, il y croit. Ah bah, les revoilà. C'est prendre sur PS4 en limited run. Ah ouais. C'est vrai qu'il existe aussi en PS4. Moi, je pense que j'y jouerai sur la vraie 32 XCD. Oh, regardez-moi ces muscles! C'est lui qui va falloir tuer. Thunder in Paradise! Incroyable ce jeu, quand même. Incroyable, ce jeu existe, en fait. Ah, la musique angoissante, quoi. Vas-y, mets-moi en vue intérieure que je tire un peu. Oula! Il y a Hulk Hogan qui est en difficulté. Ah, je peux pas tirer. Salut Butendo, comment ça va? Oh, la belle pépite que voilà. Et oui! Mesdames, messieurs, Thunder in Paradise, Caraïbes Offshore sur CD. Bienvenue à toi. C'est Terminator, exactement. C'est le doubleur de Terminator. Dans le mille, Philippos. Ah! Là, on peut jouer, on peut tirer. Sur qui on tire? Je sais pas. C'est la première fois que je joue au jeu. Ah, c'est clairement Ground Zero Texas. Bah, si je tire pas, par contre, je vais mourir. Ok, je suis un petit peu mort, hein, par contre.
J'ai pris cher. On a que deux coups apparemment dans la gueule. Prends crève. On peut assez bourriner le tir, ça va. Ah oui, je prends cher. Moi, je joue pas très bien. Évidemment, ça va être du par cœur. Au bout d'un moment. Il a pas éteint son Apple Watch. Putain, alors lui, par contre, au secours. Comment je l'ai, lui? Oh là là, j'ai pas perdu de vie, hein. Sur cet échange-là. J'ai pas trop compris comment il marchait, l'échange. Allez. Non. Allez. Non. Allez. Non. Allez. Non. Allez. Non. What? Fini. Acte 1, terminé. Bon, après, j'imagine que vu que c'est pour le consommateur de base, ils vont pas faire un jeu trop dur. Avec le gun, ça doit être rigolo, ces phases-là. Après, c'est vrai que là, c'est moins rigolo. À la souris, forcément, c'est moins drôle, mais... Au gun, ça doit être marrant. Sachant que le gun marche sur tous les écrans, hein, tous les types d'écrans. Il faut juste un récepteur. Du coup, moi, je me suis tâté longtemps à l'avoir, histoire de... Il y a un figurant en bas. Le mec était perdu. Il y avait un mec en bas. Ça, c'est normal qu'il était là. Bah, j'ai tiré. Extraordinaire, mais attention, mollie pas, surtout, on n'en est pas encore sorti. Je me demande si ça a été vraiment dirigé, ça. Je me demande si vraiment c'est pas Hulk Hogan qui s'est dit allez, on va tourner une vidéo gagne. Tu as gagné, on va tourner une vidéo gagnant. C'est triste. En vrai, c'est... Enfin, c'est plutôt bien joué. Il y met du sien et tout, quoi. Déjà ça, mais... C'est pas mal, hein. Ils auraient pu tellement faire de jeux comme ça sur CDI. Je comprends pas qu'ils aient pas fait plus de jeux de tir de ce genre-là, sur CDI. Mad Dog McCree, c'était un enfer. Je sais pas si vous en souvenez. Mad Dog McCree, il voulait absolument que les acteurs du film soient ceux sur qui on tire. Du coup, il y avait un certain ordre à respecter quand vous tiriez sur les gens. J'ai tiré, oh là là, j'ai tiré 20 fois. Et du coup, c'était l'enfer. On comprenait pas trop ce que le jeu voulait de nous. Et si on tirait avant qu'il ne soit menaçant sur quelqu'un, on mourrait. C'était ridicule. Du coup, ça rendait le jeu très dur. Hein, et très compliqué pour rien. Il y a un grillon. Je l'ai pas vu. Il était là. Putain, il est chaud à voir. Il est dans l'interface. J'ai repris de la vie. Vous avez vu? Ou c'est la vie que je perds, ça? Je comprends rien. J'ai l'impression que quand ça se vide, c'est que je meurs. Pas quand ça se remplit, mais... Enfin, je reprends de la vie à chaque fois que je tue quelqu'un. Je comprends rien. Pampan. J'adore le pampan boum boum, comme diraient certains. Ah, boum. Ouais. 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 Ok. C'est vraiment un parc aquatique qui doit exister, ça. Ça doit être bizarre d'être dedans. Mais ce jeu, c'est Tears of the Kingdom. Oui, c'est Tears of the Kingdom en mieux. Salut Slitus, comment tu vas? Je peux pas regarder le chat, je suis vraiment désolé, j'ai besoin de 100% de mon attention. Sinon, je perdrais et ça serait triste. Après, je vous rattraperai, hein, vous inquiétez pas. Je joue à la souris, hein, pour info, pour ceux qui viennent d'arriver. Je joue sur un vrai CDI avec la souris. Ouh, génial ton tir, on devrait y être, on a rien de temps. Yeah! Wonder in Paradise! Ah, c'est long ces séquences.
C'est impressionnant, ça demande 100% de l'attention. On voit que c'est une autre époque aussi. Par rapport... Hein? Par rapport à aujourd'hui, on est plus amené à faire plein de trucs dans les jeux. Genre en même temps, et pas forcément avoir 100% de notre attention dirigée vers le jeu. Là, le jeu demande énormément de notre attention. Genre 100%, quoi. Après, c'est un rail shooter, c'est très rare les rail shooters qui demandent pas 100% de votre attention. Enfin, je refasse du rail shooter Saturn aussi, putain. En plus, avec le. Ce que vous voyez derrière, il y a moyen que je fasse du vrai rail shooter. Ça y est, c'est bon, c'est fini là. Il y a une version pour chaque territoire où le jeu contient toutes les langues. Alors, il y a une version pour chaque territoire, Philippos. J'ai d'autres images. Il te faut une version française du coup. Elle est pas seule, français. Regarde. Elles sont à la plage, sous les arbres, ils s'approchent d'elle. Oh mon dieu. Ce gosse est un serial killer, oui. Comme si c'était dans The Kingdom, avant la sortie, ça ne m'étonne pas d'Haruno Taku. Ça va bien, et toi, courage pour le jeu. Pas évident, ouais. Et bien, elles sont longues les séquences. Ouais, elles sont très très longues les séquences, j'ai remarqué aussi. Et bienvenue à toi, Zitus. C'est en carton dans les FMV, mais la qualité de la vidéo et le dev ont l'air vachement bon. Je trouve que pour un jeu CD, c'est très bien développé, ouais. Après, c'est un des tout derniers. 95, c'est rare, c'est tard dans l'histoire du CDI. Ah, c'est méchant lui. Je vois quoi là? Regardez, c'est Schwarzy. Pam pam pam. Boum boum. Pam pam boum boum. Ah, il est loin là. Salut Andril! Comment tu vas? On enchaîne. Du coup, si vous voulez la langue française du jeu, surtout récupérer l'ISO qui s'appelle Caraïbes Offshore et pas Thunder in Paradise. Il est pas mort. Il est pas mort, te laisse pas avoir. C'est pas la peine d'essayer un de tes trucs. Ça va mal finir. Ça va tellement mal finir. On voit bien cet été là. Ça se met pas les voir. T'es foutu. Arrête, tu te la pètes de trop, JT. T'as vu ça un peu? Je t'avais dit que je l'aurais. Zach, où est Jessica? Je sais pas moi, elle est avec les autres filles. Waouh. Spence. Il y a un flottement. Où est Jessica? On a voulu l'empêcher de l'emmener. Comment il était? Assez baraqué, laid. Il avait le visage à moitié recouvert de métal. Assez baraqué, laid. Die, Sram Pack. Ah là là, ce casque. Je vais rouiller le sas. On devrait pouvoir le garder au frais jusqu'au labo. Qu'est-ce que vous comptez faire quand on y sera? J'ai touché à ton antenne de liaison neurale pour augmenter ton rayon d'action. Tu contrôleras depuis Thunder le Major dans le labo. C'est toi notre force de frappe au bout du compte. Charmant. Ouais, ah ça y est, on joue au labo maintenant. Y'a que 3 scènes, putain, ça va vite le jeu. Barré à la manœuvre. Accrochez-vous, je mets plein gaz. Ouf. Ça va gazer. Il y avait Hulk Hogan dans Virtual Cop. C'est pas Virtual Cop. Et non, c'est Thunder in Paradise. Franchement, si j'avais entendu parler de ce jeu à l'époque, je me serais dit, waouh, c'est le futur, les jeux sont beaux maintenant. C'est clair, hein, c'est clair. Pour moi, c'est une promesse. Comment est-ce qu'on y rentre? Il y a deux possibilités d'entrer sans être vu. Il y a la passerelle, ou alors le tunnel qui donne sur la salle des machines. Tous les deux, on prend le tunnel. Toi, tu prends la passerelle. Si les hommes de Rampai sont là, on va avoir besoin de toi. Ah, petit peu de shooting. Et ouais, moi, ça m'aurait vraiment donné envie à l'époque. En plus, j'avais un CDI, quoi. On est tous à nos postes. On fera le point de temps en temps. Il va avoir quelques petits problèmes, le Major. En plus, ça aurait pu le faire sur Mega CD. Honnêtement, ça aurait été moche, mais ils auraient pu. Il n'y avait pas beaucoup de jeux de tir sur Mega CD, en fait. Il y avait Ground Zero Texas, Corpse Killer, et tout le reste, c'était des trucs chelous. Genre Night Trap. Night Trap, c'était vraiment bizarre, quoi. Je comprends pas l'engouement qu'il y a pour Night Trap aujourd'hui, tellement c'est incompréhensible, ce jeu. Killswitch, Night Trap, tous ces jeux-là, c'était trop bizarre à jouer, quoi. Paranite, c'était incroyable, mais c'était pareil, c'était imbitable. C'est dur à comprendre, quoi. Après, on peut les voir, il y a des indicateurs, vous avez vu? Il y a des petites flèches pour dire où est-ce qu'ils vont être. Pas mal. Thunder in Paradise. Ah, la souris, elle est rapide, c'est trop bien. Content que la souris marche bien, comme ça. Pas évident.
Le laboratoire, c'est pareil, il doit exister ce truc-là, ça doit être trop bizarre de le voir aujourd'hui. Je sais pas s'il existe encore, remarque. 95, c'est vieux quand même. 95, enfin c'est vieux. Je suis plus vieux que ça, mais... On va dire que pour un décor de cinéma, ou pour même pour une usine, c'est vieux, quoi. Donc ça a l'air d'une usine bien polluante dégueulasse, quoi. C'est très linéaire, là. Hein. La séquence, c'est vraiment moins rigolote à regarder que la séquence de... Dans le... Franchement, les flèches, ça aide beaucoup trop. Les petites flèches, là, à droite à gauche. Donne-toi seulement plus de mal. Y a pas d'autre solution. Ne pense pas à ce que tu fais. Mais va te faire foutre. Putain, je fais de mon mieux, j'ai l'impression d'assurer, et lui, il vient encore me castrer, là. Dans ma quête de la perfection. Ah. Non. Okay. Combat de boss. Boss time, comme dirait certains. Boss time. Here are some good bloops and good blips. It was good. Ooh. Ça pouvait pas se jouer avec un gun, c'est exactement si. Le jeu marche avec le gun de Mad Dog McCree aussi. De toute façon, tous les jeux où tu vises l'écran... Quasiment tous les jeux étaient jouables au gun en vérité, puisque à partir du moment où t'as un curseur, tu pouvais jouer au gun. Mais là, il y a une calibration en plus. Tous les jeux n'avaient pas de calibration, par contre, tous les jeux jouables à la souris étaient jouables au gun. Genre Seven's Guest, tu pouvais jouer au gun. C'était ridicule, mais on pouvait. Et il fallait juste calibrer le gun avec Mad Dog McCree avant. Pan pan pan. C'est peut-être un peu trop facile à la souris. En train de me demander s'il fallait pas que je joue avec la manette. Ouais. In paradise. Les vidéos sont très très belles. J'espère vraiment que le stream est bien réglé, là. Je suis en train de mourir en fait, mon arme là, ça, c'est mon énergie je pense. Je savais pas que je prenais des hits. Encore une fois, le CDI c'était une machine très bien faite. Hein. C'est ça qui m'énerve le plus dans l'image qu'elle a, cette machine. C'est que tout le monde pense qu'elle a été bâclée, alors qu'au contraire... Tu es plutôt doué avec ton soft gun à la noix. Viens, n'aie pas peur. Viens dans notre monde. Il fait peur. Pour le coup. Oh, le méchant. Ça ne permet pas bien... Pas nous permet de bien apprécier la qualité de la vidéo. C'est cool. C'est que dans le futur, on aura tous des graphismes assez réalistes chez nous. Ça serait bien, hein, qu'on revienne à la FNB encore une fois. Oh, une ville. Mais c'est Virtua City. Quoi? Il y a GT qui a halluciné, il a pas compris ce qui s'est passé. Le problème du CDI, c'est qu'il faut aimer la FNV. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Après, est-ce que ça, c'est une FNV? Est-ce qu'à partir du moment où il y a de la vidéo dans un jeu, ça devient un FNV? C'est ça la définition? Parce que c'est pareil, quand Quoi qui dit... point and click pour définir Myst, je suis pas d'accord. Pour moi, Myst, c'est un Myst-like, c'est un jeu d'énigmes, quoi. Pour moi, c'est un jeu d'énigmes. Un point and click, c'est un jeu en 2D dans lequel on dit au personnage quel objet utiliser sur quel objet. Ça, c'est un point and click. Myst, c'est un jeu avec des énigmes, c'est une suite d'énigmes, comme Seven's Guest. C'est une suite de puzzles, quoi. Et pareil pour là, est-ce que c'est un jeu FMV ou un rail shooter? Pour moi, c'est un rail shooter, avec des éléments shooter de bateau aussi. Mais je sais pas, Virtua Cop, qu'est-ce que c'est? C'est pas un FMV juste parce qu'il n'y a pas de vidéo? C'est une bonne façon de réfléchir. Encore une fois, hein, je prends personne à chat, enfin, j'ai pas envie que ça ait l'air d'être un... J'ai pas envie de vous convaincre, j'ai envie d'avoir des réflexions sur Virtua Cop. Si c'est pas de la vidéo, sachant que c'est un rail shooter, pourquoi ça a plus un rail shooter que ce jeu, qui au final est exactement pareil? Et je veux surtout pas que ça tourne en mode vous convaincre. Quoi. Pour moi, Night Trap, c'est un jeu FMV. L'essence même du jeu FMV, c'est Night Trap. Et c'est dommage, parce que pour moi, c'est nul. J'adore la FMV, mais j'aime pas forcément les jeux FMV.
Gabriel Knight, c'est un jeu d'aventure puzzle. Ou un point and click. Mais c'est pas un jeu FM, c'est un jeu FMV parce qu'il y a de la FMV quoi. C'est un peu étrange ce terme jeu FMV. C'est un terme tiroir, j'ai l'impression, un genre tiroir. Toujours aussi bien. Tu sais, c'est maintenant qu'il faut dire au revoir au Major. Mais dans la réflexion, je te rejoins sur le fait que c'est un rail shooter, d'accord. Complètement. C'est vrai que si on dit point and click, c'est tu pointes et tu cliques. Du coup, Doom, c'est un point and click. Oui, dans ce cas-là, tous les jeux sont des point and click. C'est le problème de la définition de point and click, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Que les gens l'utilisent. Mais c'est pas grave, encore une fois, je peux vivre avec. Putain, le mec, quoi, la balle perdue. Quoi. Pour l'avoir, lui, courage. Du coup, ils sont pas foulés, ils ont juste pris une ville. Ça aurait été marrant qu'ils essayent de faire de la CGI, parce qu'en 95, la CGI était bien dégueu. Bon, c'était pas les débuts, mais c'était dégueu. Encore. Ah, c'est quoi, ça fait des arrêts images sur la gueule du mec, c'est terrible. Ça ne met pas en valeur. Ouais, bon portant, bravo Arnaud, c'est nul. GG à toi. GG à toi, mais sache que tu la perdras. Tu la laisses planter l'eau, au lieu de prendre soin d'elle. Vas-y. Somebody help me! Don't shoot! Ça manque d'otage. Hein. Et je joue mal. Et je suis presque mort. Ça me dirait De Palmas, je suis presque mort. Oh, une DMC! La même barre que la DeLorean. Je suis en train de crever. On peut pas me remettre de la vie. Un tout petit peu même. Merci pour le follow, Scottrottweiler. Salut Scottrottweiler, comment ça va? Merci à toi pour ton follow. N'aie pas peur du retour à la réalité, petit. Mort là. Car tu vas avoir affaire à moi maintenant. J'ai mis un habit sac poubelle vert qui sort d'une poubelle. C'est bien vu ça. Surtout quand c'est nanardesque. Moi j'adore. J'adore le côté nanard des FMV. C'est le boss. Ouais. Par contre j'ai plus de vie. Hein. Quasi mort. L'habillage des follow. Ouais, il est classe, non? Moi j'aime bien. Et bienvenue du coup, Scottrott. C'est un vrai méchant lui. Bah il a une tête de méchant. Il pourrait pas être gentil moi je pense, ce serait dur. Ah non c'est bon, je suis passé la séquence. Je pense que je vais récupérer ma vie au prochain. J'espère. Sinon je suis mort. Ah bah je récupère pas ma vie. Très bien. Ou très peu. Donc là, c'est moi contre le méchant, je pense qu'il n'y a pas de... Comme c'est gentil. Vous n'auriez pas dû m'amener le Major. Il n'a aucune chance contre moi. Ah, je joue le Major, là. C'est abusé. Ignoble vermine. Oh. Aïe. Waouh. J'avais presque plus de vie, je suis mort, du coup. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une mort scriptée? J'ai repris encore de la vie. En jouer. Oh oh! Les cylindres sont nos amis. Les cylindres sont nos amis. La poubelle verte, c'est pour mettre quoi? Attention, hein. Pas évident. Je sais même pas comment prioriser les ennemis. Hein. Putain, c'est chaud là! Non, mais vous mettez que des mecs chiants à tuer, hein, là. Mort? Est-ce que c'est la mort? Tu as l'air maladroit, petit. J'arrive pas à croire qu'il m'ait envoyé un nul pareil. Merci à toi, Scottron. Bah, bienvenue à toi sur Twitch, du coup, et merci pour YouTube. J'espère que tu apprécies mon contenu.
et que tu trouveras du contenu qui te plaît sur Twitch aussi. On n'a pas fait de... Je sais pas si tu viens pour Bailly, mais on n'a pas fait d'instant Bailly sur ce jeu-là, puisqu'il n'existe pas en japonais. Mais à chaque fois, à chaque stream, je fais un petit instant Bailly assez rigolo, sur lequel on explore un petit peu Bailly, si, sur tous les jeux qu'on teste, pour voir si on peut se l'acheter en japonais. Je trouve ça rigolo. Je suis un peu déçu de pas pouvoir l'avoir fait, là. Évidemment, prochain stream... Ah, clic-clac. Pourquoi ça fait clic-clac? C'est bizarre. Je suis mort, là, non? J'ai plus de balles, je comprends pas ce qui se passe, pourquoi ça fait clac-clac? Ah mais j'ai plus de balles! Ah mais c'est mes balles que je vois disparaître! Mecha n'ont rien à envier au monde des humains! Tu rigoles, mais je perds pas d'énergie depuis le début! Mais par contre, comment je me remets de la balle? S'il vous plaît. C'est où la vie? En général, je veux dire. Je comprends pas où est la vie. La vraie. Au champ, du coup. Putain, je comprends rien. En fait, c'est mes balles, le pistolet. C'est pas mon énergie. Et mon énergie, elle est au max. Là, je joue bien, tu veux dire? Je? Tu trouves vraiment que je joue bien, je? Est-ce que tout le monde a pas un peu mal joué avec toi? Parce que moi, j'ai pas l'impression de très bien jouer. Ben après, je pense que tout le monde n'a pas joué à la souris, hein. Parce que les gens jouent avec leur télécommande dans leur salon, et ça doit être terrible, d'ailleurs. Ils doivent souffrir. Les gens, les développeurs de sur CDI, ils doivent tellement souffrir quand ils voient les gens jouer avec les télécommandes. Ça doit être terrible. Imaginez les mecs qui ont fait Zelda ou Hotel Mario, et qui voit les gens jouer avec les télécommandes Philips, là, vous savez, où il faut viser le CDI pour jouer, ça va être terrible. Ça remonte tout seul, l'énergie. Du coup, je suppose qu'il faut bien tirer. Je pense que la vie, c'est quand tu ne tues pas assez d'ennemis, tu meurs. Ah, tu penses que c'est ça? T'es un crack, tu l'as eu! Tu nous as épatés, on t'en croyait pas capable! T'as été une absolue terreur! Mais toi, t'es un connard. Le mec, il arrête pas de dire que je suis nul depuis le début, ça me saoule. Ça quoi? Ça roule? Ah, il est pas mort! Il est pas mort! Ah, il a un vieux gilet pare-balles. Merci pour le GG. Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Eh bah, tu parles d'une aventure. Super. Bravo, tu t'en es bien tiré. Un peu. Époustouflant. Oh, à ce propos, il y a de quoi faire. Quant à toi, mon vieux, tu as promis à Jessica de te consacrer à elle hors tournage. Ouais, plutôt deux fois qu'une. Tu sais, tu peux toujours nous rejoindre n'importe quand, c'est pas un problème. Il y aura toujours de la place au soleil. Oh, GT! Où étais-tu caché? Ça fait plusieurs heures qu'on te cherche toutes les deux. Normal, t'es devenu un héros et il y a des... Mais GT, on l'a jamais vu comme ça dans notre belle famille. J'ai pas du tout sauvé la fille, si? Non, j'ai rien fait. Thunder in Paradise, best série TV avec Airwolf, A-Team. Oh, ah ouais, t'es un ancien Scott Trow. On sait pas. A-Team. Par contre, tu connais le nom anglais, toi? Ah non. Ça s'appelle comment en français, A-Team? Thunder in Paradise! C'est fou comme le rétro gaming français sur Twitch, c'est... Ah! Aruno! C'est qui a gagné le jeu? C'est qui a gagné l'émeraude du chaos? C'est Aruno! End. Agence Tourisque, c'est ça. Merci. L'agence tout risque, c'est vraiment... Il a fait combien, à Devil, comme score, sur ce jeu? Déjà fini, ouais. Ça fait un peu mal. Par contre, là, c'était le mode TV interactif. Maintenant, on peut mettre en mode... Je rejouais à chaque jeu, j'imagine. Ouais, je l'aime bien. Évidemment qu'on va jouer à un autre jeu CDI après, hein, si on fait le tour de celui-là, parce qu'il est que 22h. Et qu'on a... J'avais prévu de toute façon de jouer à d'autres jeux. Mais je sais pas lequel, un bon jeu à la souris. Pas un Seven's Guest, bien sûr, parce qu'on l'a fait chez Quakouak, je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc on va passer à autre chose. Pas de souci de place, j'ai mis le titre en anglais. Par souci de place, oui, c'est clair. Oui. Avec l'agence tout risque, c'est un peu long.
Et du coup, Airwolf, c'est Supercopter, effectivement. Street Hawk, je connais pas. Tonnerre Mécanique. Ah si, Tonnerre Mécanique, je connais. Mais du coup, Street Hawk, je savais pas que c'était le nom anglais, ok. Chaos Control, ouais. C'est ce que j'ai pensé pendant que j'y jouais. Après, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un jeu sur rail alors qu'il n'y a pas vraiment de rail, hein. Donc, ce sont des écrans fixes, finalement. Enfin, par des séquences vidéo. Mais si tu joues à Virtua Cop, du coup, Zlitus, c'est pareil. À part les séquences en voiture dans Virtua Cop 2, toutes les séquences de Virtua Cop 1 sont fixes. Allez, encore un épisode des dodos. Ça serait tellement cool. Il y en avait plusieurs. Je connais pas Virtua Cop du coup. Bah, Time Crisis. Time Crisis, c'est pareil. Time Crisis, c'est, tu te mets à un endroit, il fait Action. Et là, tu tires ta. Et entre chaque écran, t'entends Action à chaque fois. Du coup, c'est pareil. C'est Rail Shooter avec des séquences. Je sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il y a jamais un mouvement de caméra sur lequel tu vas tirer, par exemple. Alors que dans Virtua Cop 2, tu vas tirer entre les mouvements de caméra, ça arrive souvent. Ou dans Crypt Killer, tu vas tirer tout le temps. Des moments de mouvement dans Time Crisis, il me semblait... Je dois penser au plus récent. Time Crisis, je connais que le 1, le 2 sur PS2, qui est... Et le 3, je l'ai fait une fois en arcade, je me souviens plus comment ça se joue. Ça se joue normalement, je crois. Et des moments de mouvement, je sais pas. Le 2, je saurais pas sur quoi je le fais. Mais j'ai pas le gun de Dreamcast, donc c'est réglé. Je le ferai sur PS1. Je le ferai sur Saturn, pardon, Virtua Cop 2. En plus, je l'ai en japonais, j'ai le 1 ou le 2 en japonais. On va faire une petite soirée Virtua Cop. Il est long de générique en plus. Je le fais en émulation avec une Wiimote, oui, bien sûr. Une Wiimote dans le... Et puis Regalbox, avec une souris, bien sûr. Non, en plus, ils sont là, mes gueules. Ils sont dans l'avant-dernier carton. Il me reste en tout 4 cartons. En plus. Et dans un des 4 cartons, il y en a un... Il y a mes deux guns. Il y a le GunCon 1, le Virtua Gun, et il me manque le Gun Dreamcast et le GunCon 2. Si quelqu'un a un GunCon 2 USB, je veux, en fait. Salut Michael Knight TV, comment ça va? On vient de finir Thunder in Paradise. On est dans la nouvelle maison, oui. Bah oui, nouvelle maison, oui, bien sûr. Nouvelle maison, attends, je peux te montrer même en plus grand. Ouf, regarde. Nouvelle maison, DCRT, avec WWF. Vous entendez, c'est un vrai CRT. Qui ne ligne pas. C'est un CRT qui ne ligne pas. C'est pas le CRT, hein, c'est le Mister FPGA en dessous qui envoie un bon signal. Thunder in Paradise, et oui. Du coup, on était sur Thunder in Paradise, on est toujours sur Thunder in Paradise, car on va faire Game Only maintenant. On a fait Interactive Television, qui nous a montré toutes les séquences du jeu. La DCRT, exactement. DCRT, Catovision, je vais inventer plein de termes, c'est trop bien. Caraïbes Offshore en France, exactement, bah regarde. Je crois pas si bien dire, j'ai la version CDI française de Thunder in Paradise, Caraïbes Offshore, avec Hulk Hogan derrière moi sur WWF Super WrestleMania, et Thunder in Paradise, donc Caraïbes Offshore, sur CDI, juste ici, avec le vrai CDI que tu peux voir, juste... Ah, on le voit pas bien, mais il est là, juste là. Incroyable. Et on va au banger, exactement. Oh banger! Alors on va faire Game Only pour voir. Qu'est-ce qu'il y a dans Game Only? Gun or Other? C'est toujours Other. La calibration. Ah, c'est à la calibration, comme on dit. On va pas rejouer au offshore parce que j'ai pas aimé. Alors main menu, full encounter. Ok. On a Thunder Encounter, c'est le jeu avec le bateau. Ensuite, on a Full Encounter, c'est tous les encounters, j'imagine. On a Island Encounter, qui est la séquence sur l'île. Et on a Lab Encounter, j'imagine, quelque part. Ouais, c'est ça, Lab Encounter. Okay. Donc, on a bien ces trois niveaux. On va faire la Island Encounter, qui était stylée. Petite news pour moi, j'ai réussi. Mon GBSC Custom DIY est trop bien, hein. Il faudra que je repasse sur un de tes streams pour le voir en action. Il était vachement cool. Enfin, après, t'avais fait une belle impression 3D... Je trouve, pour l'utiliser. Et voici GT de Caraïbes Offshore dans la séquence de tir. Ah ouais, putain, c'est vachement plus direct dans l'action, là. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes séquences.
Oh là là, je joue tellement bien. Je suis un dieu du tir. Ça y est, c'est terminé. C'est terminado la rigolada. Peut-être qu'on va enchaîner avec Chaos Control parce que c'est celui qui va ressembler le plus en jeu de tir. J'ai eu là pourtant. Enfin, je ressorte à 3DO aussi. Il y a tellement de jeux à faire sur 3DO. Que j'ai déjà fait mais que j'ai envie de refaire. Mega Race. Okay, bien sûr. Mega Race sur 3DO. Banger intersidéral. Probablement un ex. Encore une fois, quand on disait la FMV c'est l'avenir du jeu vidéo. Mega Race, vraiment, ils ont entamé quelque chose. Cryo entamait énormément de choses avec la FMV, déjà. Dune, par exemple, a été un gros jeu, même si la FMV n'avait pas un rôle primordial dans Dune. Tout le reste était fou, mais il y avait aussi Lost Eden. Il y avait aussi... C'était pas Cryo, Lost Eden. C'était Virgin. C'était Cryo, non ? Je sais plus. Non, c'était... c'était Cryo. Il y avait marqué Virgin au début, il n'y avait pas marqué Cryo. Ou c'était Cryo, enfin, je sais plus. En tout cas, Lost Eden faisait partie de ces jeux, de cette mouvance qui voulait faire de la FMV un nouveau standard. Et je trouvais ça trop cool. Et ce genre de jeu-là, ça pousse encore plus le média. Et Corpse Killer, voilà, sur 32X, il faut que je le fasse aussi. Puisqu'il fait partie de ces jeux nouveaux. J'aurais bien aimé voir... aujourd'hui, même aujourd'hui, ça serait classe de voir des jeux FMV. Sierra Online avait fait Rama, qui était une belle FMV avec décor 3D, c'était classe à l'époque. Ah ouais. C'est du FMV ça. Oui, c'est un jeu FMV, sur CDI. Après, sur CDI, il y avait des chances qu'il y ait des jeux FMV. Hein. J'ai pas le droit de regarder juste une série hein, sur Twitch, donc... Déjà, jouer au jeu, c'est limite, parce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de le partager en public, le jeu. On a fait revivre cette série TV incroyable à travers ce jeu. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait, le jeu. C'est Philips. Un jeu Philips, pour le coup. Il a dû coûter bien cher, hein, d'ailleurs. Par rapport à ce qu'il... Ouais, et là, il y a un putain de... Et c'est qui, lui? Il y a vraiment un figurant en plein milieu du décor, quoi. Pourquoi ils ont mis un mec là, quoi? On est censé être dans un décor aussi, quoi. Thunder in Paradise. Toi, tu le stream. Moi, je le stream, ma Devil aussi, quand il... Quand il se fait pas bannir de Twitch, il lui arrive de streamer ce jeu en anglais. Je sais pas s'il l'a streamé. Il l'a streamé en français, je crois, une fois. Une fois au chalet. Mais j'ai pas vu le stream où il l'avait streamé en français parce que je l'avais commandé sur eBay, justement, à Caraïbes Offshore pour l'avoir en VF et pour pouvoir le streamer moi-même. Voilà. Du coup, je suis très heureux de pouvoir vous le streamer et de pouvoir vous montrer un petit peu les différences qu'il y a avec les voix FR. Je trouve que les voix FR sont plutôt réussies. En vrai, ça passe. Viper série avec la Dodge Viper grise, t'as connu Arnaud? J'ai pas connu. Je connais la Dodge Viper, la voiture, je connais Viper Racing, un jeu sur PC qui exploitait bien les cartes 3D. Et on pouvait repeindre sa voiture, ça d'ailleurs, et importer même un bitmap pour repeindre sa voiture. C'était très très cool Viper Racing, j'aimais beaucoup. J'adore la voiture, la Viper, je la trouve très jolie. Par contre, je connais pas de jeu. De série, pardon, qui s'appelle Viper. Un peu trop vague. Enfin, moi, je suis de 84, donc ça te laisse une idée de quel âge j'avais à peu près en 95. J'étais assez jeune, mais ça m'a permis quand même de vivre la Saturn et la PlayStation à un âge où je me souviens d'à peu près tout, quoi. Contrairement à certains. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai découvert que Kalios était de 84 aussi. C'est marrant, d'ailleurs. J'ai regardé un petit peu son stream. C'est vrai qu'il y met beaucoup de cœur et ça marche bien, je trouve, ce qu'il stream. Après, quand il va sur CD Romance, malheureusement, tu sens que sa culture jeu vidéo est lambda. Mais c'est intéressant, il s'intéresse à des trucs que pas tous les streamers s'intéressent. Pas tous les streamers de sa taille s'intéressent. Team 84 en force. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à retrouver un épisode de Caraïbes Offshore en français. Complètement dans l'oubli, cette série. Comme l'acteur, d'ailleurs. Ah ouais, bande de jeunes. C'est pas très jeune, 84. Hein. Ça devient... Bon, après, je dis pas... On s'en fout hein, de savoir qui est jeune, qui est vieux. Viper. Moi, je commence à bien vivre ma vieillesse, ça va. Je commence à me diriger tranquillement vers les 39, là, à la fin du mois. Moi, je dis pas que ça va être facile. Mais voilà. On y va, quoi.
On est là, comme on dit. Chaque année, ça devient moins jeune. Exactement. Mais c'est ça qui est chiant. T'as vu, il y a ce côté... on vieillit régulièrement, quoi. Et où ce qu'on trouve, c'est pas fait par des Français, c'est fait par des Français, c'est pas Infogrames. C'est Infogrames qui a fait Chaos Control. En plus. On n'est pas vieux, on est rétro, exact. Le problème, c'est que maintenant, t'as des jeunes qui parlent de rétro et qui connaissent rien. C'est ça qui me rend un peu fou. Quoi. Ouais, c'est pas qu'ils y connaissent rien, c'est que... C'est très dur d'entendre quelqu'un parler de quelque chose que t'as vécu. Et le mec, tu vois qu'il y était pas, tu sais. Tu le vois, mais c'est pas grave, tu vois, t'as envie de lui dire « Mec, t'y étais pas, c'est pas grave. » Juste, n'aie pas cet aplomb quand tu décris les événements, quoi. Juste, fais comme si t'y étais pas, tu vois, dis-le, quoi. Dis « Ah ouais, la sortie de la Mega Drive, je me souviens, c'était comme si, c'était comme ça, la Super NES, c'était incroyable, c'était beaucoup mieux, tout le monde avait la Super NES. » Arrête de dire ça, en fait. C'est pas vrai. Oncle Spence, Bru, j'ai d'autres images. Ça me rend fou, quoi. Anniversaire, bon, je veux bien. Le problème, c'est... Seul, il les regarde. C'est que c'est tous les ans. On est vintage. Oh, Dieu, le major est devenu transparent. Et oui, c'est qu'on vieillit régulièrement, de plus en plus vite. Oui, de plus en plus vite, c'est vrai. Il y a de ça. Moi, j'avais pas la SNES, par exemple. Oui, oui, mais ça veut pas dire que personne l'avait. Et ça veut pas dire qu'il y avait pas la guerre. Ça veut pas dire qu'il y avait pas des bons jeux sur Mega Drive. La preuve, WrestleMania, depuis tout à l'heure, qui tourne, qui a l'air plutôt cool, d'ailleurs, j'ai pas joué. Pas tiré sur elle. J'ai essayé. Je reviens à apparaître au même endroit. Du coup, vous voulez Chaos Control? Il n'y a rien d'autre. Oula! Ah, il a inversé le... Oh, ah, j'avais pas vu! Son laser, il inverse ma direction. Ah, oh, c'est super dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est terrible. Pendant un moment, la direction était inversée. Ah ouais, sur un jeu de tir, c'est chaud. Il ne devient pas transparent là, hein. Il se téléporte. Oui, je pense que chaque console... Ah oui, j'étais inversé. Chaque console a ses jeux d'excellence et ses navets. Oui, c'est ça, il n'y a aucune console qui est au-dessus, quoi. Il n'y avait aucune console qui était universellement meilleure qu'une autre. Même la Neo Geo, hein, c'était pas meilleur que les autres. Quand les gens disent ça, ça me fait rire, mais... Elle était bien, ouais, certes. Mais elle avait ses défauts. Salut Quack, merci beaucoup pour ton raid. Pourquoi j'ai pas l'alerte? Je ne sais pas. Comment s'est passée la fin de la découverte de Mystic Quest? Est-ce que tu t'es bien amusé quand même? Vous l'avez vu, l'alerte de raid, ou? Ah, je crois savoir pourquoi ça déconne. C'est possible que ça déconne... Alerte user... Salut Lilia! Ah oui, les deux petits mads, où ça? Tu parles de quoi? Je ne sais pas. Tu parles des TT qui ont été censurés, c'est ça? Et sans suite été. Salut Quack. Pas vu d'alerte, ça a bien avancé grâce à la notice Nilia. Ah oui, Nilia, t'as beaucoup aidé, d'accord, très bien. Bah nous, on est sur Thunder in Paradise, donc je vais vous remontrer un petit peu des séquences de jeu. Peut-être pas celle de l'île, parce que vous venez de la voir la fin. Je vais vous montrer le labo, par exemple. Thunder in Paradise, Caraïbes Offshore chez nous, c'est une série qui était sortie dans les années 90, 95, 94. Et il y a eu un jeu CDI. En version française, ici. Donc, je vous le montre. Vous étiez sur Mystic Quest, apparemment. Est-ce que tu vas le finir, au final, ton Mystic Quest, Quack? Vous pouvez voir que c'est un jeu de... Un rail shooter. FMV. Et il y a aussi un jeu de bateau, qu'on va regarder vite fait, parce que bon, c'est quand même l'essence du jeu, le bateau. Il s'appelle Tonnerre, le bateau. Pas Tonnerre de Brest, hein. Tonnerre. Ah oui, Tonnerre de Brest, de son nom de famille. Ça serait marrant. Voilà, donc c'est un jeu où il y a Hulk Hogan, forcément, et c'est un jeu qui est très plébiscité par Madeville, qui nous a quitté, un petit ange parti trop tôt. Après avoir montré des TT en 16 couleurs, c'est aussi pour ça que les TT de Hulk Hogan sont censurés. Voilà. Vous pouvez voir aussi derrière moi une cathodique sur roulette, voilà. Parce que comme ça vous avez le setup complet. Vous pouvez voir que maintenant il y aura du catovision un peu tout le temps sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Il n'y a pas le choix sinon Nigel torture. Ah mais c'est une request de Nilia, Mystic Quest, du coup. Tu prends les requests du coup, quoi.
Parce que moi, il m'avait semblé que non. Il m'avait semblé que toutes les requests que tu prenais, c'était « Ah, mais ça va pas me plaire hein. » après avoir regardé une seconde sur YouTube. Oh, c'est pas méchant, hein. Attention. Loin de moi le... une certaine rancœur, mais... Ah ouais. Pom pom pom, pom 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 pom. Ça, j'arrive pas à les tirer. Au secours. Alors, on peut pas mettre pause, hein. C'est ça aussi la gloire du CDI. C'est qu'on peut pas mettre pause sur les jeux. Y a pas de bouton pause. Ouf. Donc lui, c'est le doubleur cascade et corps de Schwarzenegger dans Terminator 2, notamment. C'est intéressant de le voir en méchant ici, en acteur principal, enfin en acteur main, quoi. Pas en doublure de Schwarzy. Vous pouvez voir qu'il est très à son rôle. Et il est actuellement contrôlé par GT de notre belle famille, l'acteur que vous avez vu juste avant, qui jouait dans Caraïbes Offshore aussi. Donc, il y a toujours cet aspect tour par tour. Dans les jeux d'arrêt de shooter CDI. Parce que bah, le CDI a très peu de processing power, hein, il a très peu de moyens de calculer sur qui on tire et à quel moment. Et du coup, il y a toujours cette petite latence entre le moment où on tire et le moment où c'est reconnu. Le jeu est compatible avec le gun d'ailleurs, si vous voulez. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, quoi. Non ! De quel jeu ça parle ? Moi, faut que je fasse Densha d'Ego, tiens, d'ailleurs, maintenant que je suis installé. J'ai plus d'excuses pour ne pas faire Densha d'Ego. J'ai peut-être même réessayé de faire des jeux au light gun, parce que ça me donne envie. Et surtout, vous aurez la Kato avec moi qui tire dessus. Et vous aurez, vous, le retour directement propre, quoi. Comme ça, moi, sur la Kato, j'aurai vraiment une bonne vision et une bonne façon de jouer, quoi. Vous me verrez de dos quand je joue. Parce que j'ai pas le choix. Je peux pas mettre ma Kato là. Pas la place. Mais j'ai de la place derrière. Bon les copains, il est temps pour moi de vous quitter. À très bientôt, bonne fin de stream. Merci beaucoup Michael Knight d'être passé. À la prochaine. Les light guns, c'est trop fun à faire en stream. Ouais, j'ai trop hâte. Surtout de montrer la réalité. Avec le light gun Saturn notamment, que j'ai réparé. Le light gun Saturn qui avait le bouton cassé. J'ai racheté un bouton poussoir à clic. À clic et tir. Quelqu'un a fait du Twitter en ce moment même. Et merci Floyoshi, j'avais pas vu. Je pense qu'on va passer encore un peu de temps sur le jeu et après on passera à Chaos Control, on avait dit. C'est pas évident de retweeter en même temps que de regarder, de jouer. Mais bon, c'est que deux souris après tout à gérer. Impatient de voir ça, allez à plus. À plus à toi et à la prochaine du coup. J'espère que tu seras là pour voir ça. In paradise. Très content d'avoir repris le stream, je suis très content de vous revoir tous au rendez-vous. J'avais très peur hein, d'arrêter le stream pendant longtemps. Après j'avais pas le choix, hein. On va pas se mentir. Du coup je suis très heureux de voir que les gens sont toujours au rendez-vous après une absence. Et bah, ça va me permettre de rendre tout ça encore plus cool. Avant de vraiment revenir définitivement, même si là, je suis plutôt de retour. Hein. Il n'y a plus grand chose qui me préoccupe dans la vie. Je vais pouvoir tranquillement me reposer et avoir bah, des périodes de stream plus régulières. C'est fou comme ce mot simple peut être difficile à trouver. J'ai hâte que là, Arunotaku TV reprenne. La fameuse Arunotaku TV qui a changé de nom pour ne plus jamais s'appeler comme ça. Mais oui, oui. T'inquiète. Bientôt de la Saturne. Madéville, streamer, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Madéville sera supérieur à ce qui était avant l'accident. Plus fort, plus rapide. En un mot, le meilleur. C'est Robocop ça, non? Impatient de voir ça. Tu crois que tu connais? Jeu rapide que tu connais avec avant que tu connais avant TOTK. Le jeu rapide que tu connais avant TOTK. Que Quack connaît. Le jeu rapide. C'est quoi le jeu rapide? Je vois pas ce que c'est. C'est pas le jeu Game Pass que j'ai dit.
une request, mais au moins il joue pas à Myst. Moi je veux bien qu'il joue à Myst, ça me gêne pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Myst. L'homme qui valait 3 milliards. L'homme qui valait 3000 milliards. En fait, on peut mourir réellement, parce que si ça c'est mon énergie, je comprends pas. Elle baisse jamais. Par contre, je gâche vraiment mes balles. J'ai l'impression de tirer beaucoup trop de fois. Les refs. Bah, je pense que j'ai des refs. Ouais. Twitch entier s'inquiétait du retour d'Arin Otaku. J'y vais comme en fait un article. Non, sérieux? Ah, ça, par contre, j'y vais comme. Je sais pas si je voudrais vraiment la commu j'y vais comme sur mon stream. Pas sûr. Enfin, une certaine partie de la commu j'y vais comme, je la veux pas sur mon stream, clair. Déjà, je les ai eus dans mes DM Twitter. Plus jamais je les veux. Quoi. Wow. Regardez-moi ces muscles et ces titties. C'est incroyable. 3 milliards d'anciens francs. L'homme qui valait 3000 balles. L'homme qui valait 460 millions d'euros. Et oui, ça fait 3 milliards. J'imagine. J'espère. Faut que je retrouve ma Saturne, tiens, d'ailleurs. Je sais même pas où je l'ai foutu. Putain, je sais vraiment pas où elle est. Ma Saturne JP et ma Saturne PAL. Je vois où elles sont. J'ai une PAL switchée avec lecteur et j'ai une JAP avec ODE. Même si je sais pas si je vais pas jouer... je sais pas comment je vais jouer, en fait. Je vais être obligé de trouver les ISO de mes jeux. Sachant que je les ai en originaux, quoi. Un peu triste. Est-ce qu'on passerait pas à Chaos Control? Vous avez pas envie qu'on passe à Chaos Control? Dites-moi dans le chat. Je suis l'homme qui tombe à pic. Bah l'homme qui a trouvé l'émeraude du chaos en fait. Surtout. Ça vaut combien une émeraude du chaos sur le marché noir? Parce que qui c'est qui a trouvé l'émeraude du chaos? Il y a un grillon détecteur qui est vraiment désagréable dans ce jeu. Ça n'arrête pas, quoi. Et donc, comme j'expliquais, hein, dans Mad Dog McCree, c'est, les personnages sur lesquels on tire sont incrustés dans la vidéo, du coup, il faut absolument les tuer dans le bon ordre, sinon la vidéo peut pas s'enchaîner correctement. Alors que là, ils ont eu l'intelligence, vous voyez, de rajouter les personnages par-dessus la vidéo. Ça permet de faire des animations de sprites quand on tire sur les ennemis et de passer à l'écran suivant à chaque fois. Et donc de faire quelque chose de plus dynamique et surtout de pouvoir tuer les gens dans leur combo. Contrairement à Mad Dog McCree où c'est insupportable de tirer parce que chaque personnage qu'on tue est une vidéo. Par entière. Et là c'est juste des sprites rajoutés. C'est vachement intéressant de voir comment est fait un jeu, parce que Mad Dog McCree, tu sens que c'est un des tout premiers jeux vidéo de Rage Shooter, en vidéo, en FMV. C'est pas très au point. Il y a même une voiture à un moment dans le champ, dans Mad Dog McCree. Ah bah c'est le combat final. Il y avait un moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu à part Chaos Control à la souris? Que j'ai. C'est aussi le truc en plus. D'ailleurs, je vous ai pas montré le tweet, je vais vous montrer. Le tweet sur l'ODE CDI. Après, ça se limite à. Comme c'est gentil! Vous n'auriez pas dû m'amener le Major!
Il n'a aucune chance contre moi. Il est marrant, ce méchant. Là. C'est à prouver. Ignoble vermine. ODE CDI, mais hype. Ouais, ouais, c'est ODE CDI. Je vais vous le montrer, ça. ODE. ODE. Vidéo disque. ODE. On va au moins faire le premier niveau de Chaos Control et après j'irai tout. Ça doit être tellement dur à la télécommande ce jeu. Oh là là. Franchement, ils devraient le mettre sur les boîtes. Ce jeu est recommandé au pistolet ou à la souris. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Niveau ODE, il y en a plein qui est annoncé. Mais en fait, l'ODE CDI, là, il marche aussi sur la PlayStation, la Dreamcast et la Saturn, manifestement. Il fait genre Dreamcast, Saturn, certains modèles de PlayStation et CDI. Et tous les drives CDI. Ça aussi, je sais pas trop comment ça va marcher. On reste quand même limite sur les tétons avec ce stream. Oui, parce qu'on voit le cascadeur et qu'on voit ses tétons. J'espère, franchement, je pense pas que ça va poser de problème. J'y crois pas trop. Après, qui n'aime pas les tétons? Est-ce que c'est pas un des seuls trucs qu'on a en commun? Que tout le monde a en commun, finalement. Tout le monde aime les tétés. Je veux dire... Harry Notaku, 2023. Tout le monde aime les tétés. Et télétravail, bien sûr. Intéressant. Any update on FM Town Marty? Ah d'accord, le premier commentaire du tweet, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles sur le FM Town Marty ODE, quoi. Ah mais il l'a fait. D'accord, ok. Le télétravail. Je le vois pas. Ah, il est là. D'accord. On va passer à Chaos Control. Je vais vous mettre en pause pendant 5 minutes. Et je vous reviens.新型できました。行ってみるもんだ。ご褒美にプレイステーション。宮本隆君が初めて逆上がりに成功しました。隆。ちょっと寄ってもらえますか。そろそろどうでしょう。ご褒美にプレイステーション。 契約更改。お小遣いが500アップ。プレイステーションだった。今回は保留。はい。暮らし生き生き。しよっかな。プレイステーション。案外かかるな。きついな。プレステ。外しちゃうんだ。外しちゃうんだプレステ。たまるの怖いんだ。暮らし生き生き。たまっちゃう。プレイステーション。 Comment vous allez? J'espère que ça va. On repasse à alors, Chaos Control. D'abord, on va remettre de la musique. Je déteste les streams où il n'y a pas de musique. Et on va faire titre de stream, parce qu'on va changer. On finit la soirée sur Chaos Control. Souvenez-vous qu'on l'avait fini, hein, d'ailleurs, Chaos Control. Parce que tout le monde dit « Oui, Harry No Taku, je finis pas les jeux, oui, remboursé, ils volent des jeux Game Boy, une sombre histoire encore... » J'ai gagné une clé USB chez Cabri ce matin, vous rendez-vous compte?
ce hold-up. Dis-toi qu'ils t'ont annoncé une ODE pour la PSX, mais le oui. Oui. Ben, en fait, c'est le même. Je vous montre. Allez, hop. Voyez ici, ça, c'est toutes les annonces de mes streams. Incroyable. Est-ce qu'on peut pas le voir sur une... J'ai regardé sur un vrai Twitter, histoire de pas avoir... De pas voir mes tweets. J'ai pas envie que les gens voient mes tweets. Voilà. Mise à jour FOD ODE. Multi-téton. Exactement. Il y avait beaucoup de tétons d'un coup. En plus, c'était les tétons non censurés hein, sur Twitter. C'était les tétons où il n'y avait pas le logo Madeville. Compatibilité à souder avec tous les disques Philips en CDI. Donc, tous les CDI marchent avec ça. Il n'y a plus de musique. Cette playlist, elle est nulle. Putain, ouf. J'ai rien dit. C'est la meilleure playlist du monde. Donc tous les disques de tous les lecteurs de CDI sont compatibles. On a une prise en charge de la Dreamcast, de la Saturn et de certains modèles de la PS1. Le matériel permet des futures mises à jour de compatibilité d'ajouter plus de consoles à la liste des prises en charge. C'est incroyable. Tous les CDI, mais waouh. Et oui. Bonne soirée Tom, merci beaucoup d'être passé. Bonne nuit, bonne soirée, bonne fin de live. Merci beaucoup à toi. Et merci encore pour ton aide, pour toutes les questions que je te pose tout le temps. Je dois sûrement te faire chier. Je suis désolé. Méga CD, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a toujours pas de méga CD pour l'ODE. Après, on peut jouer les jeux méga CD sur Everdrive. Certains vous diront que c'est pas pareil. That's fantastic. Please down the road consider an ODE for the FM Town Tower model PC. Oh là là, les gars, ils ont toutes les consoles possibles. La Nuon. Oh là là, au secours. Bref, on passe au jeu. Et on va passer, du coup, on va couper Panzer Dragoon, je suis désolé. On va passer à Chaos Control. On va pas y jouer très très longtemps parce que je suis un peu mortadelle. Et qu'à 23h30, il faut que je sois au lit, en gros. Je disais PSX, le Media Center. PS2 uniquement au Japon. Ah, c'est pas très intéressant ça. En fait, ils devraient pas perdre de temps à faire des ODE sur les variations des consoles. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent plutôt des ODE sur les consoles qui n'ont pas d'ODE, quoi. Parce que la PlayStation en a déjà, la PlayStation 2 en a déjà. Enfin, c'est... En fait, la PlayStation 2 a pas d'ODE, mais en soi, tu peux mettre OPL et n'importe quel jeu tourne, quoi. C'est un peu bizarre, du coup. Enfin, je sais pas. C'est pas la console où il y a le plus besoin d'ODE, quoi. C'est comme si tu faisais un ODE sur 360, quoi. Sachant qu'il y a moyen de la pirater, la console. C'est un peu bizarre. Continuer. Je savais pas qu'il y avait une sauvegarde qui fonctionnait. Curseur rapide ou lent ? Bah, rapide. Par contre, l'image du stream sera toujours Hulk Hogan. Hein. Je suis désolé. On va lancer une nouvelle partie. Toujours du français. On est sur CDI. Les jeux sont en français, monsieur. Je suis là, mais je peux pas parler sur Twitch, Kappa. Oh, Madou, il était là toute la soirée. 21h04 en plus. Waouh. Engage. Ah, pardon. Five. Et voilà ce que c'est Chaos Control. Donc, c'est un shooter où c'est assez rigolo parce que c'est une vidéo qui est jouée. Il y a aussi besoin de la carte vidéo pour ce jeu-là. Et vous pouvez voir d'ailleurs que la qualité vidéo est hallucinante. Encore une fois, on est en 94, un truc comme ça. On est au début de la PlayStation. Et la qualité vidéo est bien meilleure sur Play. Aucun jeu PlayStation n'arrive à ça. Et bon, on est au même niveau que la 3DO. Hein. La 3DO avait aussi une qualité de vidéo plutôt bonne. Et vous pouvez voir qu'il y a, quand on tire sur les ennemis, il y a un petit nuage de fumée. Alors, c'est l'astuce qu'ils ont trouvée, puisque la vidéo est statique et qu'il n'y a rien qui a rajouté sur la vidéo à part ces nuages de fumée. Ils font que... Pour valider le fait qu'on ait tué le vaisseau, et ben le jeu rajoute des nuages de fumée sur le vaisseau pour dire celui-là c'est bon, il tirera plus dessus, il fera plus de mal. On peut voir d'ailleurs le tir des ennemis et aussi est rajouté. On voit ici d'ailleurs un vieux New York un peu futuriste. Tuma. Il est aussi sur Saturn, ouais, mais il est vraiment pas ouf. Engage. Fire. Okay. Fire. J'avais pas l'impression d'avoir mouru.
Il est sur Saturn et PlayStation, mais il est très 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 mauvais sur Saturn et PlayStation. Parce qu'il a ce problème de vidéo de mauvaise qualité. Qui enlève un peu 100% du truc, parce que il était passé à Imagina dans ce micro. Il avait été en compétition à Imagina. Comme les trois quarts des jeux CDI. Surprise Guest, Myst, tous ces jeux étaient très imaginés. Non, c'est juste la suite des niveaux. J'avais oublié qu'il y avait des loadings en plein milieu des niveaux. Mince. Wow! Mais quelle est cette console incroyable qui fait tourner un tel jeu? C'est le CDI, Gabri. Le Philips CDI. Grâce au compact disque interactif de Philips, de telles prouesses peuvent être possibles sur le téléviseur de ton salon. Sans aucun ajout, avec juste l'achat d'une simple vidéo CD card vendue séparément, tu peux avoir des jeux de cette qualité directement dans ton salon sans acheter un lecteur de laserdisc onéreux ou une console qui ne sortira que dans plusieurs années. C'est ça la promesse de Philips avec le CDI, le compact disque interactif. En plus de cela, Philips va sortir tout un tas de films compatibles avec le compact disque interactif. Ils te permettront d'avoir des bonus et un chapitrage. Et aussi des films dans une qualité jamais vue auparavant. Parce qu'en même temps, regarder un paravent, ça permet pas de voir des films. Est-ce que tu trouves pas ça incroyable, Gabri? Est-ce que tu cherches le bon de commande dans ton magazine, dans Univers CDI, ton magazine préféré, qui te permet de commander un CDI? J'espère que tu as au moins 2990 francs à débourser, car c'est le prix minimum pour un CD 450 avec sa carte de décompression MPEG à 1990 francs. Alors fonce chez ton marchand de journaux. Très heureux d'avoir gagné la clé USB Cadry, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a un peu refait ma journée. D'ailleurs, j'en prends deux palettes. Monsieur va les réparer et les revendre. Ah bah non, elles sont vendues directement fonctionnelles, donc ça ne sert à rien. Est-ce que Cabri a passé une bonne journée? Cabri avait l'air très en forme en live tout à l'heure, malgré les emmerdements de la Panasonic avec sa nappe. Après, j'espère que ça va bien. Moi, tu peux voir que tout va bien. J'ai un jeu Hulk Hogan derrière moi, parce qu'on avait fait tout à l'heure Caraïbes Offshore, Thunder in Paradise. Et on vient de passer sur Chaos Control parce qu'on a fini le jeu Caraïbes Offshore et c'est terminé assez rapidement. Et là on est en train de défroyer de l'alien dans un vieux New York post-apo. Plutôt stylé. Je cherchais un jeu à la souris sur CDI qui était stylé. J'ai cherché très très peu longtemps. J'ai été aidé par les viewers d'ailleurs, par Ophilippos notamment. Il m'a dit Chaos Control qui est un jeu. Ma foi, très joli, très stylé. En fait, ça parle de thunes et de CDI, je vois juste le commercial dans la vidéo du Goût 5 points. Cette vidéo, elle est incroyable. Et encore, il y a des scènes coupées que seul Cabri a vu et moi on tourné. Elle aurait pu être un peu trop private, mais elle aurait pu être encore plus rigolote. Qu'est-ce que je joue mal, par contre, quand je me revois jouer, c'est toujours comme ça, mais... Vu que j'ai pas l'habitude de jouer dans mes vidéos, à chaque fois que je tourne une vidéo sur YouTube, je joue Arnaud, quoi. Arnaud, le mec qui pense connaître un peu de trucs en rétro. Forcément, ça fait toujours bizarre de voir quand on essaye de jouer un personnage, ça fait toujours bizarre. J'espère que je serai recontacté pour faire une participation dans ce genre-là, mais peut-être plus jouer sur un peu plus que être assis et parler à un écran. Ça pourrait être rigolo. Ça me dit bien. Après, il faudrait que je bouge un peu à Paris. Là où sont les gens. Faire des apparitions, faire des streams. Que je rentre des cartouches Pokémon. Surtout que là, je gagne à des tirages au sort chez les gens à qui je dois des cartouches Pokémon. C'est un peu compliqué. Faut que j'en fasse des autocollants aussi, des autocollants à Rhinotaku.
Ça fait longtemps que je le dis et ça fait longtemps que je le fais pas. C'est vrai que je le fasse. Oh merde! Ah non, j'ai appuyé sur pause. J'ai appuyé sur pause et j'ai validé. Quel con. Mon Pokémon! Mon voleur, j'appelle la police. Très peu dormi cette nuit, gros mal de tête toute la journée. À toute la fin de journée. Ah merde! Eh ben prends soin de toi, Capri. Il a appuyé. Alors, en fait, j'ai fait clic droit et clic gauche. Ce qu'il faut que je ne trouve pas faire en fait. On va re-regarder l'intro. Je sais plus ce que c'est l'intro. Est-ce que c'est le début du jeu ou est-ce que c'est une autre intro? Oh non, l'intro, c'est ça. Il a dit. Il a appuyé. Le 3 mars 1972, la sonde d'exploration planétaire Pioneer 10 fut lancée dans l'espace avec un message indiquant les coordonnées de la Terre. En 2050, bien longtemps après avoir dépassé les limites du système solaire, il faut que je fasse des tirages au sort aussi. Mystérieusement immobilisé et cessa d'émettre. Sur Terre, ce silence fut interprété comme une panne de transmission. Erreur fatale. Quelqu'un avait intercepté le message imprudent des terriens et s'apprêtait à en faire bon usage. Leader rouge en vue. Gardez le cap 759. Piste dégagée. On demande l'équipe de maintenance au dôme central. On demande l'équipe de maintenance. Au dôme central. Le lieutenant Dark, il est là, commandant. Faites-la entrer. Lieutenant Jessica Darkhill, deuxième section. Ah oui, les personnages sont malades. Je les avais oubliés. J'avais complètement oublié ces personnages dégueulasses. Je vous présente le Major Karanov. Comme vous le savez, la situation de New Babylon est critique. Encore quelques jours et les assauts répétés des Keshran finiront par venir à bout de nos défenses, enfin, de ce qui en tient lieu. Car n'oubliez pas que New Babylon n'était qu'une base civile avant la guerre, pas un bastion. Il faut que je fasse Keter. Major Karanov. Je l'ai. Continuez, je vous prie. Il était bien, Keter. Expliquez au lieutenant la raison de sa présence ici. Oui. Lieutenant, vous savez que la flotte Keshran a pris position en orbite autour de la Terre après avoir détruit notre colonie sur Mars. Je sais que le Major Morgan... Du coup... Je vous en prie, Major Karanov. Tenez-vous-en simplement... Je vais vous laisser là. Pardon. Sur cette intro magnifique, parce qu'elle est belle. Je sais pas où je vous envoie. Il y a 3 heures, leur armada a été peut-être vous envoyer chez Lelou. Peut-être que leur vaisseau mère. Je pense que c'est une bonne option. Il joue à The Coma, qui a l'air d'être un jeu indé. Avant de se positionner au point voilà. Orange 5. Quoi ? Depuis, les forces ennemies se sont regroupées autour de lui. C'est fini ? Tu veux qu'on rejoue un peu ? Il y a Babou qui fait de la vraie PS2. Ah, Babou. Je sais pas si je le follow encore, je crois que je le follow plus. Pour cette opération, pourquoi. Votre escadron. Il joue à quoi ? À Silent Hill 2. De défense orbitale terrienne de Manhattan, à New York. Après, c'est vrai qu'un jeu indé, ça m'intéresse moins qu'un vrai jeu sur vraie console. Forcément. Le personnel civil et scientifique de la base. Il a même mis les deux jaquettes. Avec l'aide d'une partie du 5e escadron. Vous serez chargé de leur ouvrir la route jusqu'à Manhattan. Des questions ? Non, tout est très clair, commandant. Puis-je disposer ? Oui. Lieutenant, du calme, après tout, c'est bip bip bip. Prends garde à toi. Je crois qu'il va chez Babou et qu'il est traumatisé par son jeu Game Boy. Il y a certains ordres qu'on aimerait ne pas donner. Je sais ce que vous coûte de désigner votre propre fille pour une pareille mission. Mais c'était le Je vous envoie chez Babou alors. Le lieutenant Darkhill est notre meilleur pilote. Et bah, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Parce qu'il y aura une prochaine, évidemment. C'est pas fini, évidemment. Toute ma vie. Et vous voyez, Chaos Control, c'est incroyable. La bonne nuit à toi. Très bonne nuit à toi, Cabri. Bonne nuit, la petite Pelle. Bonne nuit, Saïma. Bonne nuit à tous ceux qui sont venus. C'était vraiment cool. Et merci encore à tous pour les follow de Obu1FR. Quand j'ai commencé à streamer. Erax, merci à pour ton 21e mois. Merci à Scotrotweiler pour ton follow aussi. Et merci à Quoi pour son gros raid. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi, au Philippos, bien sûr. Et on va faire une nouvelle partie, histoire qu'il n'y ait pas rien qui se passe. Et on va raid Baboulouf, voilà, comme ça. Et évidemment,
envoyer plein de force à Babou Babou qui joue à Silent Hill 2, essayer de le faire sursauter, ça pourrait être très rigolo. Et n'oubliez pas le CDI, meilleure machine du monde, voilà. Je ne suis pas un évangéliste, je dis juste porteur de vérité. Merci pour cette belle découverte. Bientôt, Dragon Slayer 2. Voilà, n'hésitez pas. Dragon Slayer 2 prochainement sur ma chaîne, probablement du Light Gun. Sur Saturn, okay, très prochainement aussi. Et ça sera sur Virtua Cop 1 et 2. Voilà. Salut, salut! À la prochaine! Five.